Alors bonjour, il est midi, heure avancée de l'Est. On va attendre quelques instants pour s'assurer que tout le monde qui s'est inscrit puisse accéder à la réunion. J'ai Kate Little John et Kathleen Darby qui sont en arrière-plan, qui sont en train de vérifier tout ça. Ceux qui se joignent à nous en ligne, que ce soit par, ben, en fait, par Zoom, voir des gens directement ici. Pour les autres qui sont en train de visionner la présentation par YouTube. Donc oui, tout ceci va être enregistré. Encore une fois, on va juste attendre quelques instants. Il est midi pile. Typiquement, ça prend 2-3 minutes avant que tout le monde se joigne à la rencontre. Alors, bienvenue. Je sais qu'il y a déjà au moins une personne dans la pièce Zoom. Alors, voilà, on va attendre quelques instants encore. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à utiliser la fonction de clavardage ou en bon français le chat. Alors, tranquillement, pas vite, je pense qu'on va se mettre, on va débuter cette présentation qui vient en fait de le réseau des villes créatives du Canada, donc Creative City Network of Canada, avec, et c'est comme je l'ai dit, on a en arrière-plan en ce moment Kathleen Darby, qui est la directrice générale, et Kate Little John, qui est une employée de l'organisme, qui s'occupe du côté technologie et de s'assurer que tout avance bien de façon virtuelle. Donc, en arrière-plan, je vois que nous avons au moins 2 personnes qui se sont joints à la réunion en Zoom. Alors, bonjour Kathleen. Avant de se lancer formellement dans la présentation, j'aimerais juste qu'on reconnaisse que nous sommes ici tous très privilégiés d'être au Canada, sur ces terres autochtones. Et quiconque veut faire une reconnaissance territoriale, je vous invite à le faire dans la fonction clavardage, ou si vous souhaitez le faire de vive voix, vous pouvez juste me l'indiquer en levant la main, s'il vous plaît. Cette présentation-ci est enregistrée, alors s'il vous plaît, tenez-en compte lors des propos, et surtout si jamais vous vous adressez. Le tout est enregistré et sera diffusé, partagé avec d'autres gens. Cela dit, je n'envisage pas qu'on partage trop de secrets intimes de nos organismes sur cette plateforme, mais voilà, il y a toujours la possibilité que ce soit vu et su par d'autres. Alors, s'il vous plaît, en tenir compte. Je vois un visage familier et un nom familier qui nous arrive du Manitoba, si je ne m'abuse, et d'autres gens tranquillement pas vite qui s'ajoutent à la présentation. Alors, bonjour, bonjour. On aura peut-être la chance de faire un tour de table un peu plus tard, mais tranquillement, pas vite, c'est ça, je vais passer à travers quelques éléments du début. Donc, la présentation, oui, s'échelonne sur 3 heures, et si l'histoire démontre ce qui peut s'en venir, qui peut nous parler de l'avenir, nous allons avoir le 3 heures au complet. La première partie, c'est beaucoup plus, je veux dire, présentation. Alors, je parle, je parle, je parle. Si vous avez des questions, vous avez besoin de clarification sur ce qui est discuté à ce moment précis-là, s'il vous plaît, levez la main ou utilisez la fonction de clavardage, le chat, pour poser des questions. Mais on va essayer de limiter les interventions pour la partie, je veux dire, plus atelier, où on va travailler avec les modèles théoriques et les cadres de gestion, afin d'échanger un peu plus. C'est certain qu'on peut sortir du script et modifier un peu la présentation au fur et à mesure. Alors, typiquement, on a pour 60, 75 minutes la première partie de présentation des différents éléments. Après ça, la deuxième, on va prendre une pause, on va prendre un bon 10 minutes pour aller s'étirer les jambes, prendre un verre d'eau. Question de ne pas virer fou non plus en ligne. Mais c'est ça. Alors, nous sommes live en bon français sur YouTube et Zoom en ce moment.
Je vois qu'on a quand même un bon groupe qui s'est joint. Alors, bonjour et bienvenue. Voici, on part de tout. Alors, n'oublie pas, on est enregistré et ça va être diffusé plus tard. La résilience culturelle, un projet qui a démarré avec Creative City Network of Canada, avec Kathleen Darby, directrice générale là-bas. Et je me souviens du coup de téléphone que j'ai reçu l'été du début de la pandémie. Et elle a dit, Grégoire, il va avoir des leçons importantes à tirer de cette pandémie-là et comment les gens ont fait pour s'en sortir ou comment les gens ont fait pour pouvoir continuer à livrer des produits et services. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse documenter ça. J'aimerais ça qu'on développe un module de développement professionnel. J'ai été légèrement sceptique au début, mais finalement, elle m'a vraiment convaincu et avec son travail, le travail d'arrache-pied avec les bailleurs de fonds et d'autres partenaires afin d'obtenir tout ce qu'il fallait pour mettre ça en place. Je dois dire que ça a été un merveilleux projet. J'ai un petit peu de peine qu'on arrive à la fin, mais voilà, c'est une superbe réussite. Alors, lève mon chapeau à Kathleen Darby, l'équipe à Creative City Network of Canada. Le tout est financé en bonne partie par le gouvernement canadien, par les programmes le programme des initiatives sectorielles avec Patrimoine canadien. Et donc, ça, c'était le bailleur de fonds principal, mais nous avons aussi le partenariat qui incluait le Conseil des ressources humaines du secteur culturel, qui est l'organisme que je chapeaute moi-même, Grégoire. La Commission canadienne de l'UNESCO, voilà, donc eux aussi partenaires stratégiques impliqués. Hill Strategies, ou les stratégies Hill, qui effectuent de la recherche et qui étaient vraiment très impliqués dans la première partie de ce grand projet. Et un partenaire clé aussi et un organisme apparenté à Creative City Network of Canada, les Arts et la Ville, avec Christian Sénéchal qui en est le directeur. Alors, le programme, le projet, globalement, avait deux grandes phases. La première phase, la première année, si on veut, où Hill Strategies a sollicité à travers différents réseaux des histoires des gens, des organismes et des gens qui avaient quelque chose à partager ou comment ils ont manœuvré à travers la pandémie. Le rapport de la phase 1 est disponible publiquement, gratuit pour tout le monde. Et je l'ai ici, Innovation et résilience dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine au Canada. Nous avons reçu en tout et partout presque 300 histoires uniques et individuelles des différents organismes et personnes individuelles du secteur culturel canadien. Donc, Kelly Hill et son équipe ont, après ça, suivi 29 histoires de façon plus sont allés un peu plus au fond des choses et ont produit des interviews et ces entrevues-là ont été résumées dans un format de 3, 4, 5 pages chacun. Donc, il y a 29 histoires qui ont été recherchées un peu plus en profondeur et sont très bien rédigées après ça pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour ces différents organismes-là. Et nous avons vraiment une belle représentation du secteur canadien au complet, le secteur culturel canadien au complet, en termes de géographie, donc des histoires de partout au Canada, dans les deux langues officielles, plusieurs histoires aussi qui représentent la diversité démographique et culturelle au Canada. Nous avons tous les domaines culturels et les industries qui sont représentés, donc les sous-secteurs, les disciplines artistiques, bref, ça couvre vraiment beaucoup de terrain. Et ce qui est le fun, c'est chacune de ces histoires-là a quelque chose, une belle leçon à nous enseigner. Donc, on a quelque chose à y apprendre. Et Kelly Hill a eu je veux dire, une difficile tâche de, après ça, trouver des thèmes, regrouper les histoires parmi des thèmes. Alors, il y a 12 thèmes clés qui émanent de cette grande étude-là. Et il y en a qui sont, je veux dire, je les soulignerai pas tous, tous les thèmes, mais quelques-uns, je pense, sont le fun à mentionner. Si on prend le numéro 5 en ce moment qui est à l'écran, petit peut vouloir dire puissant. On a vu beaucoup d'organismes qui, même à petite taille, étaient capables de faire quelque chose de vraiment spécial ou vraiment extraordinaire avec les ressources qu'ils avaient à la portée de la main. Certaines
plus grandes ou certains plus grands organismes ont eu de la difficulté, ont réussi néanmoins. Mais voilà, c'était pas nécessairement la taille de l'organisme qui définissait ou qui garantissait le succès. Numéro 8 aussi, parfois il faut simplement sauter. On a tellement vu d'exemples des gens qui ont entrepris avec un certain risque, mais qui ont décidé, hey, on va essayer quelque chose, et finalement le succès les attendait. Ce qui m'amène à parler d'un petit point très important, la définition de succès à travers tout ça. Là, nous autres, on voit vraiment un succès étant comme un organisme qui a continué à produire des biens, des services, ou des produits culturels. On ne veut certainement pas négliger la quantité de gens qui ont souffert autant, je veux dire, en termes organisationnels que personnellement à travers la pandémie. Mais un peu comme un cours de premiers soins ici, on veut pas nécessairement diagnostiquer les problèmes de la condition de santé générale, mais on veut regarder qu'est-ce qui peut nous emmener à sortir d'une crise ou stabiliser afin de sortir d'une crise. Et donc, on regarde le succès comme étant la continuité des opérations de la production et non nécessairement, comme je dis, de négliger la part de difficulté qui vient avec. Alors, on regarde quelles sont les manœuvres qu'on peut effectuer pour nous emmener plus rapidement à une stabilité et ou, je veux dire, une amélioration de la situation. Voilà, donc je vois qu'il y a encore des gens qui se joignent à nous tranquillement, pas vite. Bienvenue à tous et toutes. Donc, c'est ça, les 12 thèmes clés. Je vous invite tout le monde à aller télécharger cette merveilleuse collection d'histoires. Le document est quand même assez grand, assez volumineux, avec 29 histoires à 4, 3, 4, 5 pages chaque, mais ça se lit très bien à coup d'une ou deux histoires, si on veut, par jour. Il y a toujours un sentiment très positif qui en ressort parce que justement, les gens vont miser sur une production continue et ont pris confiance à essayer des différentes choses. Tout que vous allez voir aujourd'hui est disponible pour vous. On va vous partager la présentation, le PowerPoint. Et il y a énormément de liens très faciles d'accès pour aller chercher les informations. Donc, si je vous dis, c'est disponible sur cette page-ci, par exemple, l'étude à laquelle je réfère, vous pouvez aller la télécharger simplement en cliquant sur le nom. Là, ça va vous emmener à l'URL, vous allez pouvoir télécharger l'étude. Donc, phase 1. C'était cette merveilleuse étude et ce merveilleux rapport par Hill Strategies. Et la phase 2, après ça, tombait sur le CRHSC, donc le Comité des ressources humaines du secteur culturel. Et nous devions développer du développement professionnel pour les organismes et les individus qui y travaillent. Alors, le but, c'est vraiment d'aider les organismes culturels à continuer à offrir et produire des biens, des services. Peu importe la difficulté future qu'il peut y avoir et d'où elle peut provenir. Donc, on veut vraiment permettre aux participants, les gens qui écoutent cette présentation-ci ou ceux qui liront, il y a une version écrite, statique, qui va être produite et qui va être distribuée très, très bientôt. La version interactive est un peu plus interactive, je dirais, intéressante de ce niveau-là, mais il y a aussi un document écrit. C'est vraiment afin d'aider les gens en termes de leur prochaine phase d'innovation ou de réévaluation interne. Donc, on se fie beaucoup sur un diagnostic organisationnel avec des modèles comme le modèle 7S de McKinsey, le modèle pour vérifier les ressources internes et les atouts, le modèle Profity. On regarde les facteurs externes aussi avec le modèle PESTEL. Mais on se fie énormément à travers cette présentation-ci et le diagnostic organisationnel sur le canevas du modèle d'affaires. Évidemment, étant un organisme basé beaucoup sur les RH, les ressources humaines, on regarde aussi les compétences, les habiletés qui ont servi à adapter ou innover à travers cet exercice de la phase 2. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de modèles théoriques qu'on va utiliser, mais je vous garantis, ce sont des modèles facilement utilisable, c'est pas purement du domaine académique, c'est vraiment des trucs utiles pour tout le monde. Donc la présentation et le document sur lequel on s'appuie, le document écrit, je veux dire, il y a pas mal de trois parties ici. On parle de la méthodologie de la recherche, le processus, les questions qui ont mené au perfectionnement professionnel. Et la deuxième partie aujourd'hui, on va vraiment regarder les cadres et
les cadres théoriques et le diagnostic organisationnel. On va peut-être le pratiquer pour un de vos organismes, si jamais on a un win volontaire. Et la troisième partie, on regarde les et si. Alors là, on regarde un petit peu les scénarios problématiques potentiels dans le futur. Mais juste, en fait, excusez, je vais juste revenir un petit peu. Pour ceux qui connaissent pas le CRHSC, donc on est un organisme national à but non lucratif avec ses lettres de noblesse, son œuvre caritative, tout comme le Réseau des villes créatives du Canada, ou le CCNC. Et nous penchons sur les questions de ressources humaines pour toute la culture au Canada, autant je veux dire, les emplois plus traditionnels qui peuvent se retrouver dans le domaine du patrimoine, que les gens qui sont des travailleurs autonomes dans les arts de la scène et tous les mélanges possibles, donc tous les groupes d'occupation, tous les domaines et les sous-domaines du secteur culturel, autant du niveau des payeurs, les gens qui embauchent que les gens qui sont embauchés, que ce soit travailleurs autonomes ou employés. Et on fait le tout dans les deux langues. Alors, si jamais vous voulez, this presentation is also available in English for anybody who wants it. Et donc, c'est ça, on fait tout à l'échelle nationale dans les deux langues officielles canadiennes. Moi-même, Grégoire Gagnon, je très brièvement, musicien au départ et professeur, devenu gestionnaire à temps plein maintenant. J'ai le Conseil des ressources humaines du secteur culturel à ma charge et c'est un merveilleux partenariat de travailler avec le Réseau des villes créatives du Canada pour ce projet. Bon, voilà. Si jamais vous avez des questions sur n'importe quel de nos organismes, c'est très facile d'entrer en contact avec nous. Pour revenir à notre présentation d'aujourd'hui, la méthodologie de recherche. Le point de départ était, comme je disais, la collection d'histoires, c'est sur presque 300 histoires qui venaient de tous les sous-secteurs culturels, toutes les disciplines artistiques et les 29 qui ont été poursuivies un peu plus profondément. Et cette étude-là a été publiée en février 2022. La longue liste d'histoires, il est aussi possible d'aller chercher les soumissions que les jeunes nous ont envoyées à travers la page de Kelly Hill. Alors, c'est ça, juste à un ou deux clics, vous allez pouvoir retrouver toutes ces histoires-là. Mais parmi les 200 soumissions qu'on a reçues, on a évalué pour créer le module de développement professionnel, on a évalué où les efforts en matière de résilience se sont présentés dans l'organisme. Et c'est très facilement démontré par le canevas de la matrice d'affaires, le Business Model Canvas. Excusez, j'alterne entre les deux langues assez souvent. L'autre question qu'on s'est posée, puis ça a permis de mettre, de répondre un peu non seulement au où l'effort est apparu, mais comment cet effort-là s'est présenté. Est-ce que c'était une adaptation, faire différemment les choses, ou une innovation, faire des choses différentes. Et ça, c'était très facile d'identifier ça à l'intérieur du canevas de la matrice d'affaires. Nous avons aussi souvent entendu parler de qui a mené ou qui a soutenu l'effort de résilience, et on va en discuter aussi en parlant des différents rôles, pour le leadership, les types et modèles de gouvernance, et c'est ça, les caractéristiques à travers les gens, les leaders que l'on voit. On pense aussi à quel ou quoi, en termes des ressources qui ont été utilisées, incluant évidemment, du point de vue RH, les ensembles de compétences qui ont permis de faire avancer les efforts en matière de résilience. Alors, on se fie sur beaucoup de choses qu'on a vues à l'intérieur des histoires. Mais il y a aussi, je veux dire, du matériel qui provient de sources, que ce soit de la littérature académique ou tout simplement en bon français, le gros bon sens. Mais on arrive avec un tout, je pense, qui est assez complet pour pouvoir s'attaquer à une future vague de problèmes. Donc, on poursuit. Alors, c'est ça, ces quatre questions-là sont importantes et on va en reparler quand on regarde les histoires. Parce qu'au départ, le thème était innover pour stabiliser en termes de résilience, mais à travers les presque 300 histoires, on a rapidement vu qu'il n'y avait pas nécessairement toujours des innovations. Les gens souvent adaptaient ce qu'ils faisaient. Alors, on a changé un petit peu notre perspective à travers le tout, mais c'est ça, la méthodologie a quand même produit, je dirais, un document d'une vingtaine de pages très facilement digérable à la lecture et cette présentation aussi en direct. Donc,
Pas mal tout ce qu'on va voir aujourd'hui se résume sur cette page de table des matières. Donc, nous allons regarder très brièvement des définitions quand on parle de résilience, innovation, adaptation, durabilité, comprendre les cycles de vie d'un organisme, incluant des éléments de gestion de crise et gestion du changement. Le leadership qui est une importante composante pour tout effort de résilience ou de continuité ou tout simplement d'initiative. Donc, les styles, les types, on regarde aussi la gouvernance. Toujours dans la première partie de la présentation, on va regarder un petit peu plus en profondeur le modèle du canevas d'affaires. Et là, je vous dis en profondeur, ça s'explique, ça se comprend et ça se maîtrise à l'intérieur de 6 minutes. Alors, voici une petite promesse que je vous fais. Vous allez devenir des maîtres de ceci, même si vous n'avez jamais entendu parler du canevas d'affaires, le Business Model Canvas. Et dans la deuxième partie, nous allons regarder le modèle Profity, le 7S de McKinsey et le modèle Pestel. Nous avons aussi le FFOM, les forces, faiblesses, opportunités et menaces, qui est un modèle très connu. Mais en tout cas, pour ma part, les FFOM que j'ai vus à travers ma carrière, s'ils ont été pratiqués ou préparés sans avoir tenu compte des éléments qui se trouvent dans le Profity ou le Pestel, ou un diagnostic organisationnel. Au départ, j'ai toujours trouvé que les FFOM étaient un peu faibles. Ou que le FFOM est une belle finalité ou quelque chose qu'on ramasse les différents éléments ensemble. Comme point de départ, je trouve que ça a souvent des lacunes. Mais bon, voilà, mon éditorial est fait. On parle aussi d'autres cadres théoriques, mais ceux-ci sont les principaux. Et en troisième partie, on va discuter aussi des futurs potentiels problèmes. Faites-moi signe si jamais je vais trop vite, si je vais trop lentement, vous pouvez aussi me faire signe. Et tantôt, peut-être dans quelques minutes, on aura la chance de faire un petit tour de table parce que je vois qu'on n'a pas trop de monde non plus sur l'appel, alors ça sera pas un problème de faire un petit tour rapide. Si jamais vous voulez inscrire ou vous présenter rapidement par le clavardage, ça va me faire plaisir de voir aussi cette fonction-là. Donc, point de départ. Pour avoir des points de référence qui sont communs à tous, lorsqu'on parle de résilience, on a consulté deux dictionnaires, je veux dire, qui sont assez des autorités sur la matière, donc le Larousse et le Robert. Le Larousse l'indique comme étant l'aptitude d'un individu à se construire ou à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Et le Robert parle d'une capacité à surmonter des chocs traumatiques. Je veux dire, c'est quand même intéressant lorsqu'on regarde deux dictionnaires très, très crédibles, qui ont des définitions quand même semblables, mais assez différentes. Si on parle de choc traumatique, dans les deux cas, on parle de traumatisme, et je pense que la plupart diraient que la pandémie a eu sa part de trauma pour tous impliqués. Mais c'est ça, on parle de surmonter, de s'adapter, de se construire quelque chose de satisfaisant pour pouvoir continuer. Mais c'est cette notion de continuité-là et de réaction où faire quelque chose face à quelque chose, une circonstance difficile. En termes d'innovation, on parle de l'introduction dans le processus de production ou de vente d'un produit, d'un équipement ou d'un procédé nouveau. Alors, il y a quelque chose de nouveau versus l'adaptation et la capacité de s'adapter, de changer quelque chose force ou devant des nouvelles contraintes ou une nouvelle situation. Alors, devant la nouveauté, on change quelque chose, on parle d'adaptation, versus développer quelque chose de nouveau, peu importe où on en est dans nos circonstances. La durabilité, parce qu'on parle souvent du développement durable, c'était vraiment, je veux dire, au cœur des considérations de pas mal tout le monde, parce que ça aurait été très facile dans plusieurs cas de dire, bon, on va tout simplement liquider tout ce qu'on a pour pouvoir continuer à produire, pour un court laps de temps. Mais les gens avaient toujours le futur à l'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer sans nécessairement sacrifier tout ce qu'on possède aujourd'hui? Alors, satisfaire aux besoins d'aujourd'hui sans sacrifier les ressources du futur. Et toute cette discussion pour le développement durable, je pense, a pris beaucoup d'ampleur à travers la pandémie et encore aujourd'hui de façon récurrente et constante. Merci, Catherine. Très beau commentaire. Il y a presque 40 histoires parmi les 300. Dans le grand rapport de Kelvin. C'est pas nécessairement les 40 qui se sont ramassés dans les 29 qui ont été développés avec les entrevues, mais il y en a une part là. Et le tout est disponible en français et en anglais. Nous avons traduit tout ce qui était possible.
à travers ce travail-là. Alors, merci Kathleen de cette indication-là. Alors, après les définitions, on regarde aussi comprendre les cycles de vie d'un organisme culturel. Là, j'ai pris ceci sur un site web. En fait, il y a plusieurs différentes façons de le représenter, mais celui-ci, je trouvais que ça fonctionnait bien. Alors, lorsqu'on parle du début d'un organisme, la phase de création, donc on est en train de lancer un nouvel organisme, il y a la phase développement et la phase croissance, une maturité à laquelle on veut arriver éventuellement, et il y a des phases déclin. Mais là, le déclin peut déclencher une nouvelle phase de croissance, maintien de stabilité, on pense plus à la maturité, ou éventuellement possible fermeture ou la mort d'un organisme. Les organismes, selon où ils étaient dans ces cycles de vie, ça peut avoir une influence positive ou négative. Lorsqu'on fait ces présentations-là en présentiel, je pose la question, mais là, je vais y aller avec une version plus courte, un peu moins interactive. On va regarder ça pour tantôt. Les gens ou les organismes qui étaient dans une phase de développement sont souvent déjà dans un mode d'éteindre des feux et de croissance, d'innovation, d'adaptation. Alors, la pandémie qui a frappé leur donnait tout simplement d'autres paramètres, d'autres restrictions dans lesquelles ils devaient opérer, mais vu qu'ils n'étaient pas installés dans une phase de stabilité ou de maturité, ils étaient déjà en mode réaction et donc, voilà, OK, une contrainte de plus, alors ils étaient déjà en mode adaptation. Contrairement à ceux qui étaient dans une phase de maturité, il y en a plusieurs organismes qui avaient plusieurs années de stabilité et donc avaient perdu cette habitude-là de réagir rapidement à des nouveaux paramètres. Alors, il y a plusieurs organismes matures qui se sont fait prendre un peu au dépourvu et ne savaient pas trop comment réagir ou ça leur a pris du temps de revenir dans une phase de recherche et développement. Par contre, les organismes avec un peu plus de maturité ou qui étaient dans une phase plus stable avaient souvent plus d'assises et d'atouts sur lesquels ils pouvaient, je veux dire, reposer ou se repositionner ou se donner le temps de se repositionner. Alors, c'est pas nécessairement qu'être à une place ou l'autre dans ce cycle de vie d'organisme culturel-là rendait la vie plus facile, c'était plus comment les gens avaient ou ce à quoi ils avaient accès pour leur permettre cette période de transition-là ou d'évaluation. Il y a des organismes qui, essentiellement, auraient plié dès le départ si on pense à, en termes de création, un nouvel organisme qui vient juste de se lancer, qui a beaucoup investi dans, disons, un espace physique, mais là, tout d'un coup, n'a pas la possibilité d'aller chercher les recettes, peut plier immédiatement parce que l'investissement initial ne peut pas être couvert et il n'y a pas de façon d'aller chercher des sommes afin de survivre. D'autres qui étaient déjà dans une situation précaire, plus proche je veux dire, de la mort, ont vu une opportunité de se revitaliser et de dire, OK, bon, on va partir une nouvelle phase de croissance où les soutiens qui sont provenus des différents paliers de gouvernement ont effectivement permis à leur recréer une stabilité pour qu'ils puissent se redéfinir. Et d'autres, malheureusement, qui étaient dans une situation plus précaire, étaient juste déjà sur le bord d'articles de fermeture. Donc, c'est ça. Ça peut avoir accéléré ou ça peut avoir ralenti selon où on était dans un cycle de vie. Et j'encourage tout le monde qui écoute cette présentation de réfléchir. Où est-ce que nous sommes nous-mêmes dans notre organisme en termes de phase de cycle de vie? Et est-ce que notre modèle de gouvernance, notre type de leadership qui est en place correspond bien à ce cycle de vie? J'ai un exemple qui vient souvent dans d'autres parties de la présentation. On parle de l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, et nous avons une très belle histoire qui en est ressortie. Mais justement, un désalignement faute de le cycle de vie et le type de leadership qui a été pratiqué à travers la pandémie. Bref, on va regarder ça pour tantôt. Donc, c'est ça. On invite les gens à penser à leur emplacement sur les cycles de vie de normal d'un organisme culturel. La gestion du changement est évidemment un point ultra important parce que il n'est pas possible d'innover ou d'adapter sans apporter une forme de changement quelconque. Donc, le changement très large, est-ce que les gens voulaient s'impliquer plus directement ou essayer d'être un peu plus indirect? Est-ce qu'il y en a qui s'engageaient, qui l'affrontaient vraiment ou qui évitaient? Et quel degré de flexibilité ou de tolérance avions-nous, tous et toutes,
devant nos propres chemins tracés, nos façons habituelles de faire les choses connues versus l'inconnu, plusieurs ont questionné leurs habitudes, questionné certaines fois des loyautés et ou des traditions, ou qui ont décidé, hey, on peut revenir à des loyautés ou des traditions précédentes. Il y en a qui se sont vraiment redéfinis à travers tout ça. Mais la gestion du changement, définitivement, on est capable de tirer un lien entre la capacité de gérer, que ça provienne de compétences interpersonnelles, des soft skills, comme on dit en anglais, ou basées sur des compétences techniques, ou du savoir spécialisé. Il y a certainement une corrélation positive qui peut être tirée entre le degré de maîtrise de la gestion du changement et l'efficacité du résultat de la gestion du changement. Alors voilà, ça relève un peu de l'ordre du gros bon sens, mais c'est certain que si on avait un organisme qui avait un leadership qui n'avait pas d'habileté de gestion de changement, ça rendait les choses un peu plus difficiles. Un autre graphique ici qui ne vient pas de moi, qui vient de d'autres, mais que j'ai inclus ici, je pense, démontre très bien une évolution de crise, et je pense que la plupart diraient que la pandémie a offert une forme de crise ou une autre à d'autres. Nous avons le temps avant crise, donc les opérations communes courantes. On ne voit pas nécessairement ce problème-là venir à l'avance, et tout d'un coup, il y a un événement déclencheur. L'événement déclencheur, après ça, nous emmène dans le déroulement de la crise. On veut se rendre à la stabilisation. Au minimum stabiliser pour empêcher que le déroulement devienne de pire en pire, et éventuellement la sortie de crise, et on peut se rendre à une phase de rétroaction ou non, si l'on le souhaite, cette présentation-ci, le développement professionnel qui vient avec tout le travail du projet, je pense que c'est une démonstration de rétroaction. Mais bon, entre le déclenchement et la sortie de crise, on voit qu'il y a deux étapes majeures, et afin de passer plus rapidement d'une étape à l'autre, on doit articuler des solutions par rapport au problème. Le déclenchement est une chose, mais tout d'un coup, on vit dans l'évolution d'un problème ou une crise. Et pour mieux articuler une solution, ça vient de nous ici, ce n'est pas la littérature académique, mais le petit tableau dans le bas. On suggère vraiment trois éléments, trois perspectives fondamentales auxquelles se pencher pour arriver à articuler une solution. Pour trouver une bonne solution, il faut penser à l'ampleur de la crise. Est-ce que ce qui se passe affecte seulement une fonction ou une unité de notre organisme? Est-ce que ça affecte un département complet? Est-ce que ça affecte l'échelle de l'organisme au grand complet? Parce que si on a quelque chose qui affecte seulement une unité, ben on ne veut pas articuler quelque chose, une politique ou un revirement pour l'organisme au complet, c'est un peu trop. Alors, l'ampleur de la crise, l'ampleur de l'impact en termes de... oui, l'ampleur, pardon. La deuxième chose, c'est la profondeur de cet impact-là. Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est paralysant? Ou est-ce que c'est un désastre complet? Donc, la profondeur par rapport à l'ampleur, on se ramasse avec une multiplication ici, et la temporalité de la crise. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est éphémère, qui est récurrent ou qui est continu? Je vous donne un exemple propre au CRHSC. Nous étions déjà un bureau virtuel avant la pandémie. Alors, lorsqu'on s'est fait dire tout le monde doit rester chez eux, ne sortez plus travailler de la maison, ça nous a très peu affectés. Mais ça a affecté assez sérieusement une fonction de l'organisme qui était les payeurs, payer les gens. On est encore un organisme, évidemment, à but non lucratif, qui requiert deux signatures pour chaque chèque. Et on fonctionnait encore au chèque à l'époque. Alors, il fallait que la personne qui s'occupe de la tenue de livre et de la production comptable se déplace de chez elle pour aller chez la trésorière, stationner dans l'entrée, sortir le livret de chèque, sortir toutes les factures, les passer à la trésorière sur son perron. La trésorière rentrait, devait signer les chèques, sortir dehors, redonner à celle qui s'occupe des livres, qui retournait à son auto. Moi, je sortais de mon auto parce que je conduisais de Gatineau si je pouvais traverser les ponts pour me rendre chez la trésorière. Prendre la pile de chèques, prendre les factures, m'assurer que tout concordait et contresigner les chèques, les remettre à la dame qui s'occupait de notre tenue de livre, qui retournait chez elle et postait les chèques. Alors, il y avait quelques problèmes, je veux dire, faibles à sérieux, parce qu'il fallait qu'on continue à payer les gens, un peu pour nos créanciers ou nos employés, mais il y avait
y avait des barrières qu'il fallait surmonter, incluant ne pas se rencontrer physiquement trop proches l'un de l'autre. Et c'est un problème récurrent, c'était, je veux dire, aux 2 semaines, parce qu'il fallait faire les paiements. Alors donc, on avait un problème qui affectait, son ampleur était vraiment fonctionnelle, une unité de travail. C'était faible à sérieux parce qu'il pouvait avoir des contraintes majeures pour l'accomplir, et c'était un problème récurrent aux 2 semaines. Il y en a d'autres qui, je veux dire, qui opèrent des théâtres ou des salles de spectacle. C'était départemental, sinon à l'échelle de l'organisme. Si on pense aux individus qui pratiquent des forces d'art, c'est vraiment à l'échelle de leur production. Ils ne pouvaient plus se produire. Alors, dans ce cas-ci, c'est soit départemental ou à l'échelle de l'organisme. C'est sérieux, paralysant ou même désastreux jusqu'à temps qu'ils se redirigent à faire quelque chose en ligne. Donc, sérieux ou paralysant, et qui était un problème en continu parce que leur salle devait rester fermée. Alors, en regardant ces trois dimensions-là, il est possible, après ça, d'articuler une solution qui correspond à l'ampleur, la profondeur et la temporalité. Parce que si on applique une solution permanente à un problème temporaire, alors on y va vraiment trop fort. Si on applique une solution temporaire à un problème permanent, on va être pris avec avoir ça va être un cycle en continu de toujours reprendre. Donc, c'est ça, d'associer la profondeur, l'ampleur et la temporalité de la solution à l'ampleur, profondeur et temporalité de l'événement de crise auquel on fait face. Un des problèmes de capacité de gestion de changement pour une grande partie des organismes, c'était que on ne pouvait pas s'engager dans un réel exercice de gestion de crise parce qu'on n'en savait pas assez sur la temporalité des. Pas nécessairement de la crise, mais des mesures qui nous permettaient de rouvrir ou fermer. Alors, puis ça, je resterai pas trop longtemps là-dessus, puis je pense qu'on a pas mal tous vu comment ça se passait. Il y a des, si on prend le secteur de la restauration, les restaurants qui décidaient de juste plus ouvrir parce qu'ils disaient, j'ai beau vouloir ouvrir, ça va me prendre une semaine pour rentrer mon personnel, rentrer la nourriture, repartir mon menu, et accueillir les clients pour me faire dire qu'on referme, puis tout perdre la marchandise que j'ai achetée. Alors, il y a des organismes qui décidaient de tout simplement rester fermés en termes de lieux physiques parce qu'ils ne savaient pas combien de temps les permissions allaient durer et c'était plus de troubles d'ouvrir et de refermer que de rester fermé et de produire du contenu en ligne ou de d'autres façons. Donc, ne pas savoir la temporalité du problème peut être vraiment une source de frustration et d'empêchement à formuler des solutions. Avant d'aller dans les prochaines diapos, j'inviterais, là, je pense que personne ne s'est présenté dans le clavardage. Alors, je vais juste arrêter mon partage d'écran 2 petites secondes. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient juste nous dire un petit bonjour, où vous êtes situé et quel organisme vous représentez? Juste un petit tour de table rapide. Si jamais vous voulez, vous pouvez vous porter volontaire tantôt pour l'exercice atelier où on va diagnostiquer un peu votre organisme. Est-ce qu'on a des preneurs qui veulent nous dire un petit bonjour? Non? Oh, je pense que j'ai Ginette? Bonjour, moi c'est Ginette Lavac, je suis la directrice générale au Centre culturel franco-manitobain ici à Winnipeg. Et oui, je trouve que ça pourrait être intéressant si on veut faire l'exercice tantôt, là, je suis partante pour ça. Super. Merci Ginette. Et d'ailleurs, c'est chez Ginette, au CCFM, que nous avons fait l'autre présentation francophone, en personne, au mois de décembre. Alors, Oui. merci de l'accueil pour cette fois-là et merci d'être ici, aujourd'hui. On s'était manqué, la dernière fois. Je pense qu'il y avait une couple de choses qui couraient. Et J'étais voilà. malade. Ah. Alors là, on a dit Ginette, reste à la maison. Justement. Merci Ginette et bienvenue. Anne, je vois la caméra allumée. Bonjour. Moi, je m'appelle Anne, je travaille pour l'ANIM, Alliance nationale de l'industrie musicale. Et moi, je suis à Halifax, mais on est un organisme pan-canadien qui fait la promotion de l'industrie de la musique francophone partout au Canada, sauf au Québec. Bonjour, et on a fait quelques trucs avec l'anime dans les dernières années, malgré la pandémie, mais c'est resté pas mal en virtuel ou Oui. en ligne. Alors, merci, bienvenue. Bienvenue, Anne. Merci. Marc, j'ai vu la caméra allumée. Bonjour, Marc Laliberté, je suis directeur de production au Centre Seagull à Montréal.
C'est un théâtre anglo dans l'Ouest. Bonjour, je veux juste faire connaissance. Je pense qu'on ne s'était pas rencontré avant. Alors, bienvenue. Je vois Maryse Saint-Amand. Bonjour. Moi, je suis actuellement à la maîtrise au HEC en gestion, en management des entreprises culturelles. Donc, je suis intéressée par la formation. Ah, bien super. Bien, bonjour, Maryse. J'ai enseigné un demi-cours cet hiver au HEC à la cohorte de Masters in International Arts Marketing Management, le MIAM. Oui. Alors, on peut se croiser au HEC. Probablement. Bienvenue. Je vois Amina. Bonjour. Bonjour, je suis très contente d'être ici. Principalement, j'ai œuvré dans le monde des festivals. J'œuvre à titre d'entrepreneuriat en culture, en mettant de l'avant des initiatives qui touchent, là, entre autres, là, la relance là, culturelle. Donc, je m'intéresse beaucoup à tous ces différents sujets-là et puis j'ai trouvé ça super intéressant jusqu'à maintenant la présentation. Super, merci, bienvenue. Et ça se peut que, en fait, je dirais, les cadres théoriques, là, je vois Vocalist Creative Entrepreneur, ça se peut que ça devrait servir si jamais ça vous intéresse pour quelconque lancée créative, entrepreneuriale. Voilà, merci, bon, bienvenue Amina. J'ai vu quelqu'un qui s'est présenté rapidement dans le chat et là, j'ai perdu mon chat, oui, parti mon clavardage. Nous avons quelqu'un de YouTube, donc bonjour Marilyn Parent de l'Alliance des arts médiatiques indépendantes. OK, est-ce qu'on a d'autres gens qui voulaient nous souhaiter un petit bonjour? Je pense que Kathleen a sa caméra ouverte. Est-ce qu'on laisse notre bon, bonjour tout le monde. Présenter? Bonjour. Encore une fois, Kathleen et Kate du CCNC qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse arriver à tout ça. Et c'est ça, malheureusement, c'est la fin. Mais on va avoir d'autres travaux ensemble. Et nos organismes sont toujours ouverts à toute collaboration ou partenariat. On travaille ensemble, tout le monde. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaitait dire bonjour? Oh bon, OK. Alors, je vais me relancer dans l'aspect présentation. Et encore une fois, si jamais je vais trop vite ou s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais c'est sûr, on a beaucoup de matériel, alors je passe rapidement sur beaucoup de choses. Mais je pense que c'est très facilement digérable en termes de contenu général. Donc voilà, gestion du changement, on a parlé. Le leadership, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est impossible d'avoir quoi que ce soit qui se passe sans que quelqu'un dise « Bon, je m'y attaque ou j'y vais, je me lance, je me lève de ma chaise et je fais avancer quelque chose. » Il y a plusieurs catégories, plusieurs styles de leadership et je vous invite à réfléchir pour autant vous-même que les gens avec qui vous avez travaillé et s'ils correspondent à un de ces types-là. Là, nous avons pris une liste de 10. J'ai vu des listes de 4, de 5, de 8, de 10, de 20. Rendu à 20, il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent ou des redondances. Je trouvais que la liste de 10, ici, présentée par Sophia Lee, avait beaucoup de mérite. Alors, on en parle brièvement. Après ça, on va revenir à la partie plus académique de Hersey Blanchard, en fait, je devrais dire. Donc, le leadership autocratique. Je suis la personne qui doit décider parce que je suis dans la position de leadership. Alors, ça revient sur moi où je prends les décisions parce que j'ai cette position de leadership-là. Leadership transactionnel. Alors, je suis prêt à démontrer du leadership ou la personne est prête à démontrer du leadership, mais il y a toujours quelque chose, ils vont chercher à gagner quelque chose en retour. Ils ne le font pas nécessairement. Ils le font parce qu'il y a une transaction qui va se faire. Il va y avoir un échange. Le leadership bureaucratique. Voici la façon de faire dans cet organisme-ci. Donc, je prends la position que j'ai dans l'organisme pour exercer cette influence-là et je me fie sur des systèmes bureaucratiques pour appuyer mes décisions ou mes initiatives. Le leadership charismatique. Alors, les beaux parleurs, les gens qui sont toujours bons pour venir nous charmer avec leurs idées. Le leadership transformationnel, ça ressemble beaucoup au leadership style coach. Donc, les gens qui sont là pour nous emmener, pour emmener d'autres à les élever essentiellement. Le mentorat tombe beaucoup là-dedans. On cherche à aider les autres et d'emmener quelque chose de nouveau,
une transformation quelconque. Le leadership démocratique. Alors, par notre position, on aime bien à ce que avoir plus de consensus, d'aller chercher des idées des autres et de trouver la majorité donc démocratique pour, par notre position, on veut rassembler les autres. Le leadership collaboratif, on veut travailler avec les autres. Alors, il y a une très grande similitude avec le leadership démocratique, mais on cherche à ce que ce soit, je veux dire, partagé. On collabore. Le leadership, un leadership attentif ou serviteur, excusez, petite faute qui s'est glissée là. Donc, les leaders qui sont là, qui se disent, moi, je suis en place, mais je suis là pour servir les gens qui exécutent le travail. Je suis dans la position de leader, mais je travaille essentiellement pour les autres qui sont, en guillemets, sous moi. Et le leadership de style laisser-faire, qui est la délégation, la délégation, la délégation, je laisse les autres s'en occuper, quitte à m'en laver les mains. Alors, tous ces styles-là, on peut y voir une connotation positive ou négative, et selon le contexte, ça peut vraiment être utile, et ça peut être aussi vraiment au détriment de la situation. Si je prends, par exemple, s'il y avait vraiment un problème, si on était tous dans une pièce en ce moment, et il y avait quelqu'un qui avait un problème médical, tout d'un coup, collapse à terre, perte de connaissance, on appelle le 911, les policiers arrivent, les ambulanciers arrivent, les pompiers arrivent, on n'a pas tendance à s'obstiner trop avec les paramédics qui arrivent, qui disent « voici ce qu'on va faire », ils prennent charge de la situation. Alors, il y a un leadership autocratique qu'on respecte. Alors ça, c'est une situation, je veux dire, où on va respecter ça. Dans d'autres circonstances, on va dire, ben là, cette personne-là, tout simplement, prend les décisions parce qu'elle a le poste, mais ne tient pas compte de tout ce qui pourrait arriver. Ça serait mieux d'avoir un leadership collaboratif, démocratique ou attentif. Mais dans certaines circonstances, on dit, non, c'est vraiment mieux qu'une personne prenne charge. Alors, c'est vraiment, selon la situation, on peut exercer un style de leadership et il y a vraiment des avantages et des inconvénients pour chacun de ceux-ci selon la situation. Là, j'ai la liste de 10 qui n'est pas une affaire académique revue par des millions d'intellectuels, mais en bout de ligne, la plupart de ces réflexions-là ou ces productions-là de style de leadership proviennent de deux grands penseurs sur le leadership, Hersey et Blanchard, qui reviennent essentiellement à quatre théories situationnelles du leadership. Il y a diriger, dire aux gens quoi faire. Il y a vendre, convaincre, chercher à emmener les gens à être d'accord sur ce qu'on propose. Il y a participer, permettre à plus de monde à être inclus dans une décision ou une initiative. Et il y a l'approche délégative qui est on approche, en fait, on laisse les autres prendre des décisions et on se range derrière les autres. Alors, j'aime bien cette liste de quatre, mais je trouve que les exemples un peu plus qui relève un peu plus de l'anecdote, sont un peu plus le fun à travailler avec. Alors, j'ai inclus les deux ici dans la discussion. Et ça, c'est les styles de leadership. Si on pense aussi aux caractéristiques communes du type de leadership, là encore, ceci, c'est pas revu de façon académique par des millions de penseurs. C'est vraiment juste une nomenclature qu'on propose où trois grands types de leaders existent. L'orateur, la personne qui correspond à l'image ou qui présente l'image, qui est capable de, qui est un peu plus la personne de type vendeur. Le porte-parole, le visage public d'une initiative versus le penseur, la personne qui a une vision, là où la visionnaire qui a l'initiation, les pionniers ou les précurseurs à quelque chose, ceux qui voient plus loin. Et la personne qui est plus orientée vers la tâche, l'accomplisseur. Et là, on a ici orateur, penseur, accomplisseur, ça rappelle l'orateur, l'oratrice, le penseur ou la penseuse, l'accomplisseur ou l'accomplisseuse. Donc, il y a des gens qui sont très, très impliqués, ou je veux dire quasiment au niveau tactique ou tactile. Et là, relevant d'un organisme basé sur les RH, on pense aussi aux compétences ou les caractéristiques communes de chacun de ces types de leaders-là. Souvent, je lance le débat en termes de Steve Jobs. Est-ce que vous pensez qu'il est plus orienté vers la tâche, visionnaire ou image? Très peu de gens disent tâche en partant et souvent, ça tombe 50-50. Les gens vont dire, c'était l'image, c'était l'orateur ou c'était le penseur.
Personnellement, je trouve que c'était quelqu'un qui était un peu plus le visionnaire. Oui, Steve Jobs avait une belle façon de parler, mais ce n'était pas nécessairement quelqu'un qui sollicitait la passion et qui soulevait vraiment je veux dire, la foule. C'était quelqu'un qui avait une belle façon, mais c'était vraiment ses idées qui étaient importantes. Et après ça, ce n'est probablement pas Steve Jobs qui faisait ses propres campagnes de marketing. Alors, on pense si aux orateurs, que vous les aimiez ou vous ne les aimiez pas, les politiciens. Si on pense à Justin Trudeau, juste parce que en fait, je pense que tout le monde devrait connaître Justin Trudeau, de par sa position, on peut vraiment voir quelqu'un qui est l'image, c'est un porte-parole, c'est un visage, l'identité publique d'un groupe, dans ce cas-ci les libéraux, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est pas nécessairement la personne qui est vraiment vouée à la tâche et qui travaille de ses propres mains pour accomplir des choses. C'est pas nécessairement le visionnaire. Il y a des gens qui articulent les grandes pensées, les tangentes. Et donc, après ça, j'arrive avec l'accomplisseur. Il y a énormément, et probablement qu'il y en a quelques-uns sur cet appel-ci, qui tombent dans cette catégorie-là. Les personnes qui, sans elles, rien ne se fait. On a beau avoir des beaux parleurs, des personnes qui sont visionnaires, mais ça prend des gens qui arrivent, qui se disent, OK, je vais exécuter, je vais mettre la main à la pâte. Malheureusement, et là, je stéréotype un peu, mais je veux pas, on parle de type, donc stéréotype, on se le permet à ce moment-ci. Les gens qui sont très orientés vers la tâche ont souvent de la difficulté à vendre et ne sont pas nécessairement ceux qui ont la vision. Mais il y en a beaucoup qui ont la vision et qui sont très orientés vers la tâche, mais qui ont de la difficulté à le vendre. Et si on regarde les histoires qui sont sorties de la pandémie, il y a souvent des choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'il manquait une de ces dimensions-là dans l'articulation de l'initiative, de l'adaptation, de l'innovation. Mais les gens qui avaient soit la capacité de faire les trois ou qui se retrouvaient dans la bonne position de leadership pour pouvoir dire j'ai une idée, voici la vision que j'ai, mais qu'il y avait quelqu'un à côté qui était d'une position pour articuler ou mettre la main à la pâte ou vraiment mettre le canot à l'eau pour le lancer et avec quelqu'un qui pouvait le vendre, souvent c'était plus efficace. Alors, je vous invite à réfléchir aussi à vous-même, dans quel rôle ou quel type vous reconnaissez peut-être le plus et est-ce que ça vous prend quelqu'un lorsque vous avez une idée ou quelque chose qui doit être accompli? Est-ce que ça vous prend les deux autres facettes où vous êtes capable de le faire par vous-même? Des fois, on a des penseurs qui se retrouvent dans une position stratégique qui n'est pas la bonne. Et ça leur prendrait quelqu'un pour vendre l'image et ça leur prend quelqu'un pour mettre la main à la pâte. Et je connais plusieurs personnes qui travaillent dans l'ombre, qui sont des accomplisseurs, des personnes qui très bonnes à rendre concrètes les idées, mais qu'on les voit pas. Ils sont presque invisibles parce que justement, ils ne recherchent pas cette figure ou image publique-là, ou cette tension publique-là. Alors, voilà. On a attribué quelques caractéristiques communes qu'on trouve fonctionnent bien avec ces trois types de leadership-là. Et le style de leadership et le type ne sont pas nécessairement la même chose. On peut avoir un type penseur, un type visionnaire, mais avoir un style de leadership très autocratique. On pourrait aussi avoir un type visionnaire, mais être collaboratif dans notre style de leadership. Alors, c'est deux dimensions auxquelles réfléchir dans nos différentes situations et nos rôles dans nos organismes et tout simplement pour nous-mêmes. Et est-ce que je suis le bon type ou le bon style de leader pour la situation ou le besoin? Lorsqu'on pense aux organismes à but non lucratif, les œuvres caritatives, la question de gouvernance est vraiment importante et c'était quelque chose qui ressortait souvent dans les histoires. Sans mal dire, et c'est dans l'histoire qui a été publiée. L'OSM avait évidemment un conseil d'administration et quelque chose qui est ressorti de cette histoire-là, c'est que le conseil d'administration, pour un organisme très mature qui, en temps et lieu normaux, n'était pas très impliqué dans le niveau opérationnel, a rencontré une difficulté. Alors, autant au niveau de la gouvernance que le leadership senior, les idées qui étaient proposées étaient difficiles à exécuter. Et j'avance plus rapidement. Au final de l'histoire, il y a eu une reconnaissance à un moment donné à travers le CA et le leadership senior de dire, alors nos idées fonctionnent pas aussi bien qu'on voudrait et ils sont délégués. Alors ils sont tombés dans un style plus délégatif et ont demandé aux gens qui étaient un peu plus sur le terrain au niveau des opérations
de formuler des idées ou des initiatives, et à partir de là, ça a mieux fonctionné. Alors, dans ce cas-ci, on voit qu'un organisme de relativement grande taille, mature, avec plusieurs composantes positives et des atouts à son actif, a eu de la difficulté au départ jusqu'à temps qu'il décide « Ah, ben finalement, les décisions venaient au mauvais niveau, on va les descendre, les négatifs, pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne mieux au niveau opération. » Dans d'autres cas, les CA, et on voit avec les CA, souvent ils sont très impliqués au début ou dans une phase déclin, tout d'un coup reprennent la mainmise, mais dans un état de développement ou vers la maturité, on a tendance à reculer un peu. Et ça devient, je veux dire, un environnement sain de travail où le leadership senior peut s'occuper de l'opération de l'organisme et que la gouvernance prenne vraiment cette position-là où c'est on regarde à l'horizon, on regarde la gouvernance et non la gestion, l'administration de l'organisme. Donc, c'est, je veux dire, 5 types de gouvernance typiques. Encore, c'est pas moi qui invente ceci. Il y a un lien pour pouvoir accéder à ces 5-là. Des explications très brièvement. Coopératif. Donc, on cherche le consensus, on des voix plutôt plutôt égales. Donc, souvent, sont plus impliqués au niveau de la gestion de l'organisme. Donc, un type de gouvernance un peu plus actif ou équipe de gestion. Les organismes qui ont une très petite taille, souvent, qui n'ont pas de personnel payé ou simplement quelqu'un qui travaille dans un rôle administratif, mais moins décisionnel. L'équipe de gestion, tout le monde est VP de quelque chose et tout le monde a des responsabilités sur le CA en termes d'opération. Le groupe mécène se trouve dans le milieu. Ici, je vais le sauter, je vais y revenir. Les groupes qui sont typiquement un peu moins impliqués ou qui ont moins la mainmise sur l'administration et la partie gestion de l'organisme, le groupe régisseur, le modèle Carver. Donc, on dicte par politique ce qui doit se faire dans l'organisme et les gens qui sont les salariés s'occupent des affaires quotidiennes. Le groupe conseil, un de mes préférés personnellement à titre de gestionnaire principal, de dire le CA qui dit « Appelle-nous quand tu as besoin de nous » ou « Va voir tel membre lorsque tu as besoin d'aide avec quelque chose de spécifique. » Souvent, les gens qui sont dans ce CA-là sont des gens qui sont... spécialisés. On a un avocat, on a un comptable, on a des gens qui travaillent dans des firmes de communication, bref. Des gens qui sont spécialisés et qui sont là pour offrir conseils à l'aspect gestion de l'organisme. Donc, souvent, moins mainmise. Alors, bleu foncé, plus impliqué, blanc, moins impliqué. Bleu pâle dans le milieu, ça peut aller d'un bord ou l'autre. Le groupe mécène. Le CA qui a des réseaux ou des groupes de réseaux qui ont les poches profondes avec les poches profondes et remplies, ça peut tomber d'un bord ou de l'autre parce qu'ils peuvent avoir la mainmise beaucoup sur l'aspect opération-gestion parce qu'ils veulent que les investissements qu'eux-mêmes font ou qu'ils vont chercher de leur réseau soient gérés d'une façon un peu plus contrôlée ou stricte ou c'est des gens qui veulent simplement appuyer la mission. Alors, ils s'organisent pour renflouer les coffres et ils laissent la place au groupe administratif ou gestionnaire de gérer l'organisme. Donc encore, le type de gouvernance, le modèle de gouvernance qui est en place devrait idéalement correspondre avec un cycle de vie d'un organisme et la réalité de l'organisme. Est-ce qu'il y a du personnel pour s'occuper de la gestion et des opérations ou est-ce qu'on a besoin d'être impliqué? Et en termes de formulation d'initiative, réaction à une crise, ou tout simplement développement et recherche, est-ce qu'on a le bon type de gouvernance en place pour permettre cette croissance-là à l'intérieur ou au sein de l'organisme? Encore, matière à réflexion, et je vous invite à y penser lorsque vous faites votre diagnostic organisationnel pour votre organisme. Nous arrivons près de la fin de la première partie, il y a beaucoup de matériel. Mais voilà, quand on pense leadership, la participation des décideurs versus une approche consultative coopérative peut avoir un impact important sur le rythme auquel les changements sont introduits dans un organisme. Dans beaucoup de cas, l'inclusion, la diversité de gens qui étaient là pour articuler une solution pouvait être très bénéfique versus avoir moins de gens qui étaient impliqués. Excusez, j'ai un petit pitou qui veut de l'attention, je m'excuse, c'est une bonne vieille réunion Zoom, ça prend un animal de compagnie à quelque part, si vous l'entendez, je ne peux pas peser sur le mieux.
Donc, le plus de gens qu'on a autour de la table peut nous emmener plus d'idées, peut nous emmener un aspect plus créatif, engagé, mais ça peut aussi ralentir la vitesse à laquelle on prend une décision ou à laquelle on articule une finalité. Alors que quelqu'un qui fonctionne plutôt seul ou qui prend en charge peut emmener des solutions plus rapides, mais ça peut aussi avoir l'effet qu'on se dirige tête première vers un mur. Une des belles choses qui est ressortie des presque 300 témoignages que nous avons reçus était la quantité d'histoires qui avaient été soumises au nous. Nous avons essayé quelque chose, nous avons fait quelque chose versus le nombre de je. Les gens ont beaucoup cherché des partenariats ou de la collaboration. Alors, il y avait quelque chose de très beau à travers ça. Même si on était isolés, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient ou en faisaient beaucoup pour se rassembler et travailler ensemble. Je vous avais promis qu'en 6 minutes, on serait capable de comprendre et de maîtriser le modèle du canevas d'affaires. Si jamais mon explication de 6 minutes n'est pas assez complète, il y a une vidéo ici dans le bas à gauche. Lorsque vous recevez la présentation, vous pouvez cliquer dessus. Je pense que c'est 3 minutes. Les sous-titres sont en français, la vidéo est en anglais, mais moi, je vais vous faire ça tout en français. Le Business Model Canvas, qui vient de Business Model Generation, est un livre qui a été co-créé par plus de 400 personnes qui payaient 8 fois plus que la valeur du livre vendu aujourd'hui. Alors, c'est une immense co-création. C'est très, très, très visuel et c'est vraiment convivial, hyper simple à comprendre pour n'importe qui veut s'engager dans de la création ou quelconque activité entrepreneuriale. Et c'est aussi bon, je veux dire, au départ de quelque chose d'initiative que au milieu ou vers la fin même vers un déclin, on peut faire un diagnostic organisationnel très efficace avec ceci ou proposer une nouvelle lignée de production. Alors, je vous donne, on part le cadran. 6 minutes, je devrais pouvoir vous montrer ça et vous devriez être à l'aise avec. Vous êtes prêts? Donc, le canevas du modèle d'affaires, le Business Model Canvas, se divise en 9 segments, 9 blocs. Le premier qui est identifié par eux, moi je vais passer d'une diapo à l'autre juste pour l'aspect visuel. Eux commencent avec les segments de clientèle. Moi, je commence avec la proposition de valeur. Là, excusez, j'ai pas l'exemple français ici, mais je vous les fais tous. Donc, les 9 modules au centre de tout, surtout pour les œuvres à but non lucratif et les œuvres vocation caritative, la proposition de valeur. Quelle est notre mission, nos objectifs que nous voulons satisfaire et essentiellement notre raison d'exister. Et ceci se rattache à un segment de clients. Il y a des gens qui doivent payer, il y a quelqu'un qui doit fournir de l'argent ou des ressources afin que l'on puisse accomplir notre mission et nos objectifs. Et ceci, on rejoint les segments de la clientèle. Donc à droite, je partage mon écran. Oui. Donc les segments de clientèle et la valeur de la proposition doivent se retrouver par un canal de distribution. J'offre des présentations de théâtrales. Donc mon canal de distribution va être un théâtre. Si je prends le CCFM, c'est un excellent exemple, on a un lieu physique où les gens peuvent accéder à une programmation culturelle pour rejoindre les segments de clientèle. Nous avons une relation avec notre clientèle. Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est purement corporative? Est-ce que ça se résout juste à des courriels où on invite nos membres, nos clientèles, nos bailleurs de fonds à venir au barbecue annuel? Est-ce qu'on a une relation très, je veux dire, intime, chaleureuse avec nos segments de clientèle ou c'est quelque chose de plus froid et très peu intime? Donc, la relation avec la clientèle, ça peut être un peu variable, c'est souvent le morceau le plus flou dans tout ça pour les organismes avec lesquels je fais ceci, mais le canal de distribution. Où est-ce que segments de clientèle peuvent accéder à ma proposition de valeur? Tout ceci est rattaché la structure de revenus. Comment est-ce que je suis organisé pour pouvoir capter ces revenus-là des segments de clientèle qui veulent accéder à une valeur de proposition par un canal de distribution? Alors, tout ça se tient, je veux dire, pas mal bien en termes logiques. De l'autre côté du modèle du canevas d'affaires, les ressources essentielles, les activités essentielles et les partenaires essentiels. Donc, j'ai tout ça ici en mots. Je vais rester sur le tableau pour l'instant. La partie gauche du modèle de canevas d'affaires. J'ai des ressources essentielles, ces clés. J'ai absolument besoin de ces éléments-là pour pouvoir produire ma proposition de valeur.
qu'est-ce qui doit être fait en termes de mission et objectif. J'ai des choses qui sont essentielles. J'ai aussi des activités essentielles afin de pouvoir transformer ces ressources-là en la proposition de valeur. Et il y a des éléments que je ne serai pas capable de faire moi-même où j'ai besoin d'aller les chercher ailleurs. Et donc, j'ai des partenaires clés. Donc, ces partenaires clés-là peuvent fournir des ressources clés ou des ressources essentielles, ou m'amènent quelque chose qui est absolument impératif, essentiel à voir la proposition de valeur devenir une réalité. Donc, les partenaires essentiels, les activités essentielles ou clés et les ressources clés ou les ressources essentielles sont toutes rattachées à ma structure de coûts, dont les choses pour lesquelles je vais devoir payer ou que je vais devoir obtenir en transaction afin de rendre ma proposition de valeur une réalité. Et de façon, je veux dire, très évidente, entrepreneuriale, on souhaite que la structure de coûts soit moindre que la structure de revenus ou les façons dont je capte et j'obtiens des revenus. Donc, je pense qu'on a réussi ça en 4 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour qui que ce soit là-dedans, autre que d'avoir à apprendre 9 acronymes d'un coup? C'est bon? Et personnellement, je trouve que c'est très efficace comme façon de présenter l'information de nos organismes qui nous permet de communiquer avec notre auditoire. Merci Amina. Bonjour, bon savoir qu'on s'est bien rendu. Donc c'est ça, les acronymes, je m'excuse, c'est difficile de les éviter, mais ils sont tous expliqués si on les reprend ici dans le tableau. Alors SC pour segment de clientèle, la proposition de valeur, les canaux de distribution, relation avec la clientèle. Source de revenus ou structure de revenus, signe de dollar avec revenus, les ressources essentielles, activités essentielles, partenaires essentiels et structure de coûts. On a mis encore le signe de dollar pour clarifier le tout. Et la version écrite, évidemment, utilise beaucoup d'acronymes. Donc, tout ceci se tient et si vous êtes en train de créer une nouvelle initiative, une nouvelle idée, c'est très facile d'articuler tout ça et lorsque vous vous faites questionner sur des aspects, vous pouvez ressortir votre modèle d'affaires de Canva pour l'expliquer. Un petit peu plus sur la section proposition de valeur. Il y en a qui voient, disons, si je parle de théâtre, comme tantôt, qui vont dire « Ah, ben moi, ma proposition de valeur, c'est des pièces théâtrales. » Personnellement, je vois la proposition de valeur pour un organisme sans but lucratif, la mission et les objectifs. Mais après ça, les activités, les livrables, les activités essentielles sont les choses, la partie tangible qui satisfait la proposition de valeur. Alors, les livrables et les activités essentielles qui soutiennent les objectifs et la mission, je les vois plus dans activités essentielles que la proposition de valeur. Cela dit, c'est un monde ouvert et libre. Vous pouvez l'articuler comme vous voulez. C'est plus important de l'inscrire dans votre Canva que de ne pas l'inscrire afin que ce soit clair pour vous et vos interlocuteurs. Donc, c'est ça. Ceci est juste une façon qui est proposée de s'en servir. Je vais passer, on a quelques minutes encore juste pour regarder quelques-unes des plus de 200 histoires, donc les presque 300 histoires, qui nous permettent de regarder la première question et quelques éléments des trois autres questions que j'avais formulées au début, donc le où, le qui, le quoi, les éléments qui sont rattachés aux initiatives d'innovation, d'adaptation. Donc, on va parler de différents éléments, mais je vais garder les autres cadres théoriques pour après la pause. Le modèle du canevas d'affaires nous fournit déjà pas mal le canevas, littéralement, qu'on a besoin pour pouvoir discuter de ceci. Bon, je ne lirai pas ces histoires-là. Il y en a qui sont très volubiles. Alors, je vais les résumer un peu. Vancouver Cantata Singers, donc forcément de Vancouver, Cantata Singers, donc des chanteurs. Un groupe qui offrait des performances en présentiel dans des salles de théâtre ou salles de production a revu sa proposition de valeur et a réfléchi à ses relations avec la clientèle et a effectué des changements. Donc, toutes les histoires qu'on a reçues, ou presque, avaient un élément de « nous avons transitionné vers en ligne, nous avons offert sur Zoom, nous avons offert sur YouTube ». Alors, la partie canal de distribution, on en parle très peu parce que c'est très redondant et très semblable d'un à l'autre. Donc, on focus pas trop sur l'aspect de changement canal de distribution. On regarde les autres parties du modèle de canevas d'affaires. Donc,
ils ont commencé à demander à leur auditoire de fournir des histoires de la pandémie, des histoires vécues ou du personnel sur lesquelles ils basaient après ça, où ils mettaient ils mettaient de la musique. Alors, ils fournissaient des trames sonores à des histoires qui venaient du public. Donc, on a un changement dans la proposition de valeur et la relation à la clientèle parce qu'avant, c'était « nous allons chanter, vous allez écouter, vous allez payer pour ce qu'on fait. On vous emmène de la musique, vous payez pour. » Ça, c'est si je résume un peu la proposition de valeur typique d'un organisme qui produit de la musique. Là, dans ce cas-ci, ils allaient chercher des contributions du public pour les inclure dans leur production musicale. Donc, ça s'est rattaché aussi un petit peu au changement d'activité essentielle. Mais la proposition de valeur n'est plus juste on emmène de la musique, c'est on intègre la musique dans ce qui se passe. Et leur relation avec la clientèle a changé parce qu'avant, ça aurait été tout simplement, ben voici, on envoie des posters puis des campagnes courriels pour dire venez au show. Mais là, on est en train de demander aux gens de nous envoyer leur histoire. Donc, on devient beaucoup plus, je veux dire, la relation devient plus intime avec la clientèle. Donc, on voit ici que cette histoire démontre comment on peut faire des choses différentes. Avant, ils se, en bon français, borderaient pas. Ils ne se dérangeaient pas d'aller chercher du input de leur clientèle, mais là tout d'un coup, ils vont le chercher. Alors, ils font des choses différentes et ils produisent, ils ont une production musicale qui est différente. Donc, leurs activités essentielles de production musicale ont été affectées. J'aurais pu le rajouter à la liste ici. Au lieu de se limiter à une transition de leur matériel en ligne, ils vont solliciter des contributions et une participation dans leur production artistique. Alors, on voit un changement dans les canaux de distribution, les relations avec la clientèle et la proposition de valeur et des activités essentielles pour leur production qui satisfait la valeur de proposition de valeur. Donc voilà, ça c'est la façon dont on a évalué ça. Et là, on a fait ça pour les 300 histoires sans aller trop dans les détails. Alors, on a une grande grille avec 9 colonnes pour chacune des catégories du modèle du canevas d'affaires. On a les 200 histoires, 300 histoires qui sont tous une ligne horizontale et on peut dire faire les choses différemment ou faire différentes choses selon les 9 blocs du canevas d'affaires qui nous permettait une évaluation plus, je veux dire, un mélange de quantitatif et qualitatif. Mais encore, c'est vraiment le fond qu'on cherche et pas nécessairement produire une histoire statistique de dire, bon, ben 90% des gens ont changé leur segment de clientèle. C'était moins l'intérêt que viser à enseigner à ce que les gens apprennent ou soient plus connaisseurs de comment faire. Encore développement professionnel. Bon, Haunted Walks m'a accroché beaucoup, je veux dire, accroché l'équipe, parce que oui, eux autres aussi étaient pris quelque chose qui était très en présentiel. On emmène des gens, on leur fait peur en marchant dans des cimetières, en marchant dans des parties de la ville un peu plus épeurantes. Mais bon, ils ont dû changer leur proposition de valeur parce que tout d'un coup, c'était plus en présentiel. Donc, le canal de distribution aussi était très différent. Mais ils ont cherché, une des initiatives qu'ils ont eues, c'était de produire des événements interactifs à l'intérieur des maisons des gens. Donc, ils réussissaient essentiellement à vous faire peur avec vos objets dans votre maison. Je ne sais pas comment ils ont réussi, mais c'est assez incroyable. Je suis ambivalent à dire j'aimerais ça l'essayer pour voir comment ça se passe. Et après ça, dire peut-être je vais avoir peur de mes cuillères et mes fourchettes. Donc, c'est ça, en tout cas, libre à vous. Mais c'est ça, c'est vraiment une idée intéressante. Et ils ont fait ça en allant chercher des partenaires essentiels, des nouveaux partenaires. Et il paraît que c'est une occupation entière des conteurs, des raconteurs épeurants. Il y en a une catégorie qui atteignent la notoriété mondiale. Voilà, je vous invite à aller visiter ce qu'ils offrent. Ils faisaient des feux de camp hantés virtuels aussi. Et bon, à travers toute l'histoire, on voit qu'ils ont changé des éléments de proposition de valeur. On voit qu'ils sont allés chercher des nouveaux segments de clientèle. Ben, c'est devenu une entreprise, je veux dire, qui est allée chercher des clientèles mondiales. Alors, il y avait une volonté de dire, bon, ben maintenant, on va aller chercher des gens et ces segments de clientèle amènent des nouvelles sources de revenus. Donc, source de revenus n'apparaît pas ici. Pourquoi? Parce que la nouvelle source de revenus est un résultat de l'effort de résilience et non l'effort de résilience comme tel. Je ne sais pas si vous suivez, parce que c'est ça, les histoires que Kelly Hill a poursuivies, on regardait beaucoup le résultat. Nous autres ici, dans le terme de développement professionnel, il faut regarder ce qui amène le résultat. Où est-ce que les gens ont consciemment travaillé pour obtenir ce qu'ils voulaient? Donc,
proposition de valeur a été modifiée dans ce cas-ci. Les segments de clientèle, les partenaires essentiels qui sont allés chercher et des activités essentielles aussi ont été modifiées. Donc, on voit un mélange aussi de, lorsqu'on pense à faire des choses différemment ou faire différentes choses. Il y a eu de l'innovation, évidemment un peu d'adaptation, et le tout a généré des nouvelles sources de revenus et des parfois juste des adaptations, dire bon, ben maintenant qu'on peut recommencer à offrir des tours guidés, ben, on va le faire avec des groupes familiaux ou des plus petites unités. Bref, beaucoup d'éléments dans cette histoire-là en termes d'évaluation. Catherine Patricia Cobbler, violoniste de formation classique, ici. Oui, merci Amina, je suis d'accord et merci Ginette, je trouve. Et c'est ça qui est le fun de lire ces histoires-là, c'est qu'il y a des choses vraiment le fun, des idées qui sont ressorties. C'est pour ça que je dis, j'encourage les gens à lire les 29 histoires ou même la liste de 200 qui est disponible sur le site de Kelly Hill. Des fois, il y a des affaires vraiment surprenantes. J'en ai une autre qui s'en vient qui m'a vraiment fait sursauter. Celle-ci, je veux dire, relativement typique. Violoniste, dit offre des cours, offre des présentations, des prestations. Tout d'un coup, peut pas travailler en vrai. Alors, cette personne-là est allée chercher, a changé des activités essentielles. Donc, est passé en mode enregistrement ou des sessions interactives en ligne et est allée chercher un partenaire essentiel, local ici à Ottawa-Gatineau, MASC, pour pouvoir offrir des enregistrements de qualité et des segments live, en vivant, avec des auditoires. Mais cette personne-là s'est beaucoup fiée sur des compétences essentielles, des compétences qu'elle possédait, autant pédagogiques qu'artistiques. Parce que sans ces compétences-là, elle n'aurait pas pu changer sa façon de faire avec les activités essentielles et aller chercher des partenaires essentiels pour pouvoir offrir des nouveaux canaux de distribution. Donc, c'est ça, c'est appuyer sur beaucoup de ses compétences pour pouvoir faire la transition en ligne. C'est important de mentionner les compétences parce que sans compétences, ben on n'arrive pas à livrer quelque chose. Alors, ça prend les compétences et ça prend une révision des fois des éléments qui se trouvent dans notre modèle du canevas d'affaires. Donc, si on le résume, on voit que la musicienne s'est appuyée sur ses compétences, des ressources essentielles et un nouveau partenaire essentiel pour offrir différents canaux de distribution et des nouvelles activités essentielles avec des sessions interactives avec des gens en ligne. Mais elle ne possédait pas les compétences technologiques pour y arriver. Celle-ci m'a énormément frappé. Il fallait absolument que j'en parle, alors je l'ai inclus dans la présentation. Des gens qu'on connaît qui se promènent sur des échasses dans des festivals ou des fêtes foraines. Essentiellement, c'est des clowns, si on résume ça, des gens qui offrent quelque chose de ludique. Mais ils ne pouvaient pas travailler durant la pandémie parce que tout était fermé, pas de festival, pas de fête. Et éventuellement, on a commencé à ouvrir les commerces avant les grands rassemblements. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de les embaucher, eux, pour être des agents de distanciation sociale. Parce que qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un arrive sur des échasses à 6 pieds dans les airs? On a tendance à se reculer, on a tendance à se disperser. Alors, ces clowns, ces personnes qui offraient un service ludique, ont transformé leur proposition de valeur, qui était juste du ludique, à « Ah, ben maintenant, on va travailler comme agent de sécurité. » Alors, la proposition de valeur a été pas mal changée, mais ça s'est basé sur des ressources essentielles. La capacité de marcher sur des échasses et l'autre ressource physique essentielle, des échasses. Alors, c'est pas tout le monde qui aurait pu dire « Ah, ben je vais me lancer à faire ça comme nouvelle entreprise », mais ils ont pris des choses qu'ils avaient chez eux, des compétences, des ressources, et ont transformé, c'est encore la même activité, ils marchent sur des échasses, c'est juste qu'ils le font pas dans les fêtes foraines. Alors, les canaux de distribution, à la limite, n'ont pas vraiment changé parce qu'ils se présentent dans des endroits où il y a des foules. Mais c'est ça, c'était quelques changements et c'est vraiment basé sur quelque chose, une position de valeur presque unique qu'ils avaient. Nous pouvons marcher sur des échasses, nous allons nous en servir pour disperser des foules et encourager les gens à maintenir une distanciation physique. Une autre ici qui est très, 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 très longue et j'arrive à la fin de tout ceci, là.
Un 2 mètres très bien respecté, oui. Oui, ils étaient eux en hauteur. Donc, le Dalton Trail Trail Gallery. Et on m'a confirmé, lorsque j'ai fait la présentation de ceci à Whitehorse, que ça s'est bien et bien passé. Une des personnes dans la salle a dit, « Oh oui, c'est ma voisine, cette personne-là. » Nicole était la voisine des participantes. Donc, il y a beaucoup de mots ici. Je vous invite à le lire un autre tantôt. Essentiellement, cette personne-là a dit, je ne sais pas, le 14 mars, on se fait dire, « Restez chez vous, tout est fermé. » Personne ne se présente en public. Elle a dit, « au bout de mon terrain, il y a une piste cyclable ou une piste pour marcher. Moi, je vais installer mes œuvres d'art au bout de cette piste-là et les gens qui vont passer vont peut-être décider d'acheter. » Alors, on voit ici un changement de canal de distribution important, mais basé sur une ressource essentielle qui était le lieu physique qu'elle possédait, l'atout qu'elle avait d'un lieu physique pour pouvoir mettre ses œuvres d'art et les exposer. Cette personne-là s'est aussi lancée dans plein d'affaires. Les gens dans le Nord ont, je veux dire, dans ce cas-ci, on voit une très belle éthique de travail, dire c'est pas parce que je peux plus faire ci puis ça que je vais arrêter. A convoqué des gens, a organisé des concerts en plein air où les musiciens et les danseurs étaient dans des canots ou dans des petites îles, dans un marais, où les gens pouvaient regarder à distance et profiter d'une production culturelle. Il y a tellement d'éléments dans cette histoire-là qu'on peut pas tous les nommer. Alors, je vous invite à la lire dans un format plus calme que juste moi qui passe rapidement à travers les éléments. Mais cette personne-ci, Nicole Bauberger, a démontré des beaux exemples de l'utilisation de ressources clés. Donc, la première chose, c'était l'utilisation d'une ressource physique, un espace extérieur, facilement accessible pour l'artiste et des nouveaux segments de clientèle parce que, d'un coup, je suis piéton et je suis devenu un potentiel client parce que je tombe sur une exposition d'art. Ces gens-là n'auraient peut-être pas été dans le visiter des ateliers ou des galeries dans d'autres circonstances. Et ça a démarré par ces différentes initiatives, des conversations avec les membres de la communauté qui a développé des nouvelles relations avec la clientèle et la clientèle interagissait, donc devenait partie d'une plus grande conversation. Donc, ces relations avec sa clientèle ont énormément changé. C'est un effort de nourrir cette conversation-là afin de continuer à produire de façon artistique. La variété de production artistique impliquée est vraiment aussi une démonstration intéressante d'innovation et d'adaptation par rapport à sa propre production ou valeur proposée dans le marché. Et c'est pas directement relié à l'histoire, mais on voit que il y a certainement une volonté de changer sa structure de coût, juste simplement en voyant que, bon, ben, au lieu de payer pour de l'espace dans des galeries, je vais exposer sur mon terrain, j'ai réduit ma structure de coût parce que ça ne me coûte rien, je paye déjà pour mon terrain. Donc, la structure de coût faisait partie aussi des changements, même si dans ce cas-ci, c'était peut-être pas volontaire ou conscient. C'est sûr que ça avait un rapport. Vous remarquerez aussi que dans l'histoire qu'on discute ici, on parle pas des soutiens gouvernementaux. C'était vraiment intéressant, puis les gouvernements, merci à tous les paliers de nous avoir appuyés dans nos productions, puis maintenir les lumières allumées, mais c'était pas nécessairement des exemples d'innovation ou d'adaptation. C'est pour ça qu'on en parle très peu dans cette présentation-ci et l'aspect écrit. En termes de compétences, alors qu'on termine cette première partie, on regarde deux grands groupes de compétences, ceux rattachés à l'innovation, ceux rattachés à l'adaptation et dans le milieu, ceux qui étaient communes à toute innovation ou adaptation. Donc, les communes, on parle d'analyse, synthèse, pensée critique, leadership, communication et gestion du risque. C'est impossible d'arriver à quelque chose d'autre sans passer par ces éléments-là, ou presque. Du côté de l'innovation, on parle de créativité, design, conceptualisation, implémentation, mise en œuvre, et c'est une façon très plus proactive de voir les choses. Alors que du côté adaptation, on a vraiment un sens de la faisabilité. On partait de choses qui existaient peut-être déjà et, OK, ben on pourrait juste modifier. Donc, il y a vraiment la notion de faisabilité au-delà de design et créativité, puis dire on va essayer quelque chose de nouveau au risque que ce soit pas faisable. La gestion du changement tombe plus du côté adaptation parce qu'on parle concrètement de changer quelque chose qui existe déjà versus innover quelque chose qui est nouveau. L'ouverture d'esprit du côté adaptation, parce que souvent on est pris avec des idées préconçues ou fermes. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'histoires qui étaient à l'écoute et qui étaient plus de type réactif que proactif. Bon, donc, dans tous les cas, ça prenait des compétences. Et encore une fois, un organisme de RH, on pense aux compétences impliquées dans tout ça.
Donc, ça fait partie des constatations. Et c'est pas que quelqu'un du côté qui était plus adaptif n'était pas créatif, c'est que la créativité était plus alignée avec l'innovation que l'adaptation. Alors, ce n'est pas une prescription dure et ferme, c'est plus une analyse et constatation générale. La technologie, au départ, on voulait recenser tous les éléments technologiques qui étaient inclus dans les histoires. C'est immense et impossible comme tâche et pas nécessairement pertinent. Alors qu'on peut résumer ça beaucoup à les moyens de distribution, les canaux de distribution ont été beaucoup affectés par la présence ou l'absence de technologies disponibles. Mais les technologies sont vraiment des outils au service d'un leadership, que ce soit visionnaire, orateur ou orienté vers la tâche d'un organisme ou d'un individu. Alors, la technologie, c'était important, mais ça prenait quand même les compétences pour pouvoir l'utiliser. Et si on voit la technologie comme étant des ressources essentielles, c'est beaucoup mieux que de le voir comme étant ce qui règle le problème. Ça prend des humains derrière le tout. En termes de conclusion de l'analyse vaste des 300, presque 300 histoires, les ressources essentielles et les partenaires essentiels étaient vraiment des considérations importantes, mais que dans toute modification, innovation, adaptation, il fallait que le tout soit réaliste en termes d'activités essentielles pour livrer ces idées-là ou ces contenus-là. Les structures de coûts et les structures de revenus étaient des préoccupations omniprésentes. Mais c'est ça, le soutien gouvernemental n'était pas nécessairement la partie la plus intéressante dans tout ça. Mais dans toutes les histoires, il y avait un souci de penser à réduire ses coûts ou augmenter ses revenus ou maintenir ses revenus. Ça fait partie de l'équation et vraiment l'assise sur laquelle le reste du modèle Canva d'affaires se base. Être conscient de sa proposition de valeur, particulièrement pour les organismes sans but lucratif, ça peut être une très bonne source d'inspiration. Ça peut être aussi très limitant parce que nos objectifs et nos activités peuvent être attachés à quelque chose de très prescriptif en termes d'objectifs et missions. Mais ça n'empêche pas d'être innovateur ou d'être prêt à adapter pour soutenir et remplir la mission. Il est possible de s'assurer de ne pas s'écarter de la mission en tenant compte, je dis surtout de la partie droite du modèle du canevas d'affaires avec les segments de clientèle. Qui existons-nous pour servir les relations avec les clients, avec la clientèle et les canaux de distribution sont tous très intimement liés à la proposition de valeur. Pourquoi est-ce qu'on existe et comment on veut que ce soit accessible ce que l'on propose. Enfin, des histoires comme le Dalton Trail Gallery démontrent comment on peut se revirer, un redressement rapide lorsqu'on est conscient des ressources auxquelles on a accès et qu'on n'est pas nécessairement contraint par un grand groupe consultatif. Donc, c'est une histoire au jeu qui démontre bien la rapidité d'exécution. Puis on a énormément d'histoires qui fonctionnent aussi avec le « nous » où les gens ont articulé des idées ou des nouvelles affaires. Si je reprends l'exemple de l'OSM, c'est un bel exemple de ça. Même si le leadership au début n'avait pas nécessairement la bonne approche, après ça, lorsqu'ils ont délégué et c'était ouvert à plus, ils ont trouvé des sources super bénéfiques. Donc voilà, ça conclut notre première partie. Je m'excuse, on débordait un petit peu avec différents éléments. Des fois, je suis un peu volubile. Mais voilà, si vous voulez, je vous propose une petite pause de 10 minutes. N'oubliez pas que l'enregistrement se poursuit. Alors, si vos micros sont ouverts et que vous décidez d'aller jouer avec votre chat ou votre chien, ben on va l'entendre et ça va être pour la postérité. Alors voilà, on vous encourage à laisser ça fermer. Si vous voulez discuter, nous sommes disponibles, Kathleen, Kate et moi. Alors voilà, si on partait le chrono, il était 28, ben disons et 40 si on revient. Donc et 40, peu importe où vous êtes, si vous êtes à Terre-Neuve, ça va être et 10 pour le retour. C'est bon? Donc, à tout de suite. S'il n'y a personne qui a c'est besoin bon. De moi, je vais aller te faire un petit tour dehors au Pitou. Merci, tout de suite. Merci Greg, c'est bon.
Rebonjour. 13h40, heure avancée de l'Est. 14h40, Halifax. Midi 40 pour Ginette à Winnipeg. Et c'est quoi, 10h? 10h40, heure avancée du Pacifique. Kathleen. Donc, si les autres veulent juste envoyer un petit haut la main, un petit bonjour, je pourrais être certain que tout le monde est de retour. Nous sommes encore dans l'enregistrement avec Zoom et en ligne sur YouTube. Oh, est-ce qu'on a perdu les autres? Attends une seconde, je vais m'assurer qu'il y ait vraiment d'autres qui sont revenus. Ah, merci Anne, de retour. Daniel, bonjour. Alors, voici. Donc, partie 2. On avait dit que plutôt que on va se tremper un peu les orteils dans l'eau dans ce cas-ci. Kate, would you be... je pense que ça a déjà été envoyé. Vous avez probablement déjà reçu les cadres théoriques pour l'aspect diagnostic organisationnel. Alors, le premier avec lequel on va commencer, c'est le Canva du modèle d'affaires et Ginette, s'il est encore possible, on pourrait prendre le CCFM comme l'exemple. Dans les présentations en vrai, en présentiel qu'on offre, on distribue des copies papier à tout le monde et j'invite les gens à remplir eux-mêmes sur le champ leur modèle de canevas d'affaires. Et c'est surprenant comment vite les gens embarquent dans l'exercice. Là, c'est sûr, on pourrait le faire en bon vieux langage Zoom, en breakout rooms, donc en petites cellules sur différentes pièces. Je vous encourage tous et toutes de le faire aussi. Vous pouvez le faire à l'écran avec ce qui a été distribué par Kate avant la réunion. Ou si vous voulez, je ne sais pas si Ginette, je ne sais pas si on a perdu Ginette. Ah non, OK, Ginette est de retour. On pourrait pratiquer le modèle du canevas d'affaires sur l'organisme de Ginette. C'est certain que si tantôt, je me souviens bien, il y avait Amina dans la signature, je vois Vocalist puis Creative Entrepreneur. C'est sûr que quelqu'un du côté entrepreneurial peut aussi très bien travailler avec cet outil. Donc, Ginette, on va. Je suis en partage d'écran, oui. Ginette avec peut-être. La caméra allumée, micro ouvert. Si on commence avec la proposition de valeur, quelle est la proposition de valeur du CCFM? Est-ce qu'on veut parler de l'organisme en gros ou juste peut-être un projet qu'on a fait? Je pense à une occasion peut-être dans le cadre de la pandémie puis quelque chose qu'on a mis sur pied ici. Je ne sais pas si c'est plus simple ça ou si on veut faire l'organisme en gros. Je pense si on commence avec la proposition de valeur de l'organisme plus large, peut-être juste mission objectif. Après ça, si on regarde une activité, justement, c'est une très bonne façon de le faire, dire, ah, ben il y a une initiative particulière, mm-hmm. on serait capable de remplir les cases rapidement. Parce que c'est sûr que là, on n'a pas... Moi, je figure faire ceci au sens large pour un organisme complet, ça peut prendre n'importe où entre 30 minutes à 3 heures. Au maximum, je pense qu'une journée et demie, quelqu'un se penche là-dessus. Et c'est ça, la taille de l'organisme peut définitivement influencer le travail. Mais je dis aux gens, les jeunes entrepreneurs qui veulent commencer, je leur dis ça, là, c'est un après-midi de travail pour développer quelque chose de nouveau. Alors, si on commence avec le général, puis on va aller un petit peu plus spécifique après. OK, donc si on se penche sur la mission du CCFM, c'est d'offrir, promouvoir et parrainer des activités culturelles et artistiques en français, en langue française, pour l'ensemble du Manitoba. OK. En termes d'objectifs, on doit en avoir un ou deux faciles à... Oui, c'est de mettre sur pied une programmation pluridisciplinaire. Créer des partenariats avec la communauté
On a aussi... Pas trop de fautes. Pardon? Je ne sais pas trop faire de fautes. Je ne suis pas quelqu'un qui tape très rapidement. Compris. Oui, je pense qu'en gros, on pourrait mettre ça. Je veux dire, on a tout l'aspect de location de salle, qui est un genre de service qu'on fait pour aider à rentabiliser le CCFM, mais c'est un moyen qu'on utilise justement pour se ressourcer financièrement, mais c'est pour ça que ça ne fait pas partie de notre mission comme telle, mais on offre quand même un service. Ouais. Ah, et voilà, et ça, je trouve que c'est un très bon élément. Alors, est-ce que ça fait partie de la proposition de valeur ou c'est une façon dont on sert la communauté? Moi, je dirais... C'est une activité essentielle. Ben voilà, c'est là que je voulais aller. Merci. Ouais. Et je pense que c'est ce type de réflexion-là est important parce que des fois, on oublie, on confond une activité qui accomplit la mission et l'accomplissement de la mission. Oui. Alors ça, c'est service de location. Et si je peux, admettons là, qu'il y avait un groupe de haine. Je sais pas si les, je vais en nommer un qui est très connu. Est-ce que je l'endosse pas? Si le Ku Klux Klan arrivait puis disait, ouais. on a besoin, on aimerait louer votre salle. Ouais. Pourquoi qu'on le ferait pas? Eh ben, alors. J'ai un exemple très, très récent. Le Ramadan vient de finir. On a célébré l'Aïd vendredi et on a fait une location de salle à un groupe communautaire qui souhaitait célébrer l'Aïd et faire des prières, bien sûr, qui fait partie de leur pratique, leur coutume. Et donc, on a loué le CCFM pour cet événement-là, mais qu'on se fait solliciter par des groupes religieux et ces choses-là. Puis le conseil d'administration, l'organisme a pris la décision que le CCFM n'est pas un lieu de culte. Cependant, on peut être loué par divers groupes, néanmoins de leur religion, croyance, etc. On ne veut pas mettre de barrière là-dedans, mais que quand ça vient à devenir un lieu de culte où ce qu'on ferait des messes, des événements récurrents comme ça qui fait en sorte qu'on devient comme une église, ça, on ne souhaitait pas le faire. Mais que dans le cas de l'Aïd, où est-ce qu'il y a de la prière, mais que c'est une des activités qui fait partie de leur célébration autour de ça, on a donné accès à la salle, on a fait la location. Donc, un groupe comme Ku Klux Klan qui n'ont peut-être pas des valeurs qui sont maintenues comme les nôtres ou qui fait en sorte que on nie certaines cultures, certains groupes, on ne voudrait pas s'associer ou propager ça. Donc, je crois que dans une instance comme celui-là, on ne ferait pas une activité comme celle-là. Exactement. Alors, un groupe de haine ne s'aligne certainement pas avec la promotion des activités culturelles artistiques en français au Manitoba. Non. La religion peut souvent être partie d'un élément culturel. Et là, par culturel, nous aussi, on fait face à ça, le CRHSC. Ouais. Où arrête la culture? Des fois, j'ai des gens qui disent « Ah, ben on aimerait ça être soutenu parce qu'on fait partie des arts culinaires. » C'est pas le groupe culturel auquel on réfère. Alors, dans le cas d'un groupe de haine, ça va carrément contre la mission. Alors, on dit non, merci. Mais un groupe qui veut célébrer la fin du Ramadan, on peut comprendre que ça peut quand même tomber dans la mission et les objectifs. Mais, Grégoire, on fait également des locations qui n'ont rien à voir avec notre mandat. C'est seulement un moyen de se rentabiliser. Donc, on va faire des locations pour des activités comme des soirées bénéfiques pour prélever des fonds pour un organisme quelconque, mais que c'est pas nécessairement notre programmation ou même en lien avec la culture. Il peut y avoir des rencontres d'affaires. OK. Alors, si on regarde les activités essentielles, le service de location pourrait être en lien avec la proposition de valeur, mais on peut aussi l'indiquer... On peut aussi l'indiquer comme source de revenus, de location diverses, tant et aussi longtemps que ça ne contredit pas la proposition de valeur, on reste dans le correct. Yeah. Oui, alors, est-ce que le service de location... Oui, on génère de la discussion aussi dans le clavardage. Justement, okay, alors, ça commence à remplir les autres... Segment de clientèle, qui vise-t-on? Déjà, la proposition de valeur, elle nous indique... des segments de clientèle, est-ce que je peux dire la communauté francophone manitobaise? Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres segments de clientèle? On pourrait ajouter à ça les francophiles. Donc, ceux pour qui le français est langue seconde. On va aussi loin aussi pour accueillir des anglophones parce qu'on commence de plus en plus à faire des programmations bilingues où ce que la priorité est donnée aux Français, mais qu'on peut quand même se sentir confortable puis bien avec des moments en anglais, mais que le service clientèle, l'accueil, tout est en français. Si on veut briser encore plus ou diviser encore plus, on peut parler des différents segments d'âge, la jeunesse, les familles. Est-ce qu'il y a aussi différents groupes d'âge, famille? Si je veux groupe d'âge, groupes d'âge, variés. Justement, oui. La communauté des nouveaux arrivants. Donc, immigrante. Fait que ça représente quand même pas mal de monde. Puis ce qui est ressorti dès le départ, qui fait partie de la mission, c'est sûr qu'on parle de français. Il peut y avoir en français des spin-offs aussi. Mais au départ, les segments de clientèle. Et c'est ça, ça peut aussi être des nouveaux arrivants qui arrivent. Mm-hmm. OK. Fait que ça nous donne pas mal de segments de clientèle. En termes de canaux de distribution, la programmation et ce qui satisfait la mission, la programmation pluridisciplinaire et les partenariats qui sont créés avec la communauté, comment est-ce que la plupart du temps, les segments de clientèle accèdent à la proposition de valeur? Est-ce que c'est en place dans le... Vous avez un immense théâtre? On a multiples salles ici au CCFM. On est une ancienne école qui a été convertie, puis on a rajouté au fil des ans des salles. Donc, oui, c'est majoritairement sur le site ici. Lors de la pandémie, on a fait un virage numérique, donc il y avait quelques activités qui étaient présentées en ligne. On continue à en faire, mais pas énormément. Et que ça pourrait aussi se rendre sur d'autres sites dans la ville. Je pense au Parc Provencher, le Parc Whittier, ici à Winnipeg. OK. Est-ce que vous possédez le Parc Provencher? Non, c'est un parc municipal. Ah, alors est-ce que ça serait une façon, canal de distribution, donc on parle de normalement présentiel un pas peu typique, en... Ouais, pas typique, mais le Parc non, Provencher rien. Devient aussi un partenaire essentiel pour oui. certaines lignes de production. Sure. Alors, c'est ça. Ça se peut que des fois, ça se trouve à deux places. C'est pas nécessairement qu'il faut être absolument prescriptif avec ceci. Puis dire, non, ça peut pas être un partenaire, ça peut pas être un canal de distribution. Dans ce cas-ci, je dirais que c'est peut-être plus un partenaire essentiel pour certaines lignées. Mais les canaux de distribution, définitivement, on pourrait noter à la base que c'est en présentiel ou d'activité. Je paraphrase un peu, là, je m'excuse. Oui. Tu n'as pas décidé pour l'organisme. Et ben c'est ça, il y avait aussi du pandémie, il y avait un virage, numérique aussi qui a été pratiqué. Mais ça, c'est pas mal les canaux de distribution. C'est pas, vous vous présentez pas, vous faites pas du porte-à-porte pour aller déposer chez les gens, vous envoyez pas des affaires par la poste. Les gens soit se présentent dans un monde virtuel ou se présentent sur les lieux pour des activités présentielles. Oui. Oui, mais si on ne parle pas des moyens de communication ici, mais plutôt les canaux, comme tu dis, où est-ce qu'on met en œuvre la proposition, oui. Ah, canaux de communication, c'est très bien ça. Est-ce que canaux de distribution pourraient inclure les canaux de communication ou est-ce que c'est plus dans les relations avec la clientèle? Moi, je dirais peut-être plus relations avec la clientèle. OK, alors des campagnes de communication... Courriel. Donc, c'est ça, bulletins, réseaux sociaux. On fait parfois des genres de cartes postales, flyers qu'on fait distribuer dans le quartier. Et si on prend le tout de ces efforts de communication-là, est-ce qu'on cherche à avoir des communications unidirectionnelles ou le CCFM diffuse ou il y a aussi la possibilité que les segments de clientèle, eux, communiquent directement avec l'organisme? Oui, parce qu'on fait appel souvent à des sondages pour avoir les rétroactions de nos clients.
Je pense que de plus en plus, tu sais, on se lance vers, on va créer des groupes cibles où ce qu'on veut aller, soit tirer des idées, des informations ou faire des sortes de partages. Oui. Des consultations, justement. Alors, si on pense aux relations avec la clientèle, est-ce qu'on a quelque chose de plutôt chaleureux, intime ou froid et distancié? Mais je dirais que c'est les deux, parce que quand on fait justement les consultations, puis ça, je veux croire qu'on a, c'est pas mal chaleureux, c'est pas mal ouvert, mais que les autres moyens, c'est plutôt visé vers les gens. Pas que c'est froid, mais je veux dire, c'est des outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est... Mind you, on essaie de faire de plus en plus aussi, particulièrement avec les réseaux sociaux, où ce qu'on on assure justement une communication partagée ou une réciprocité, où ce que les jeunes peuvent revenir vers nous avec leurs commentaires, des likes, etc. Donc, je pense que c'est assez chaleureux. Oui, c'est drôle parce que c'est pas nécessairement que c'est négatif. Là, on regarde nos bulletins puis on dit ah ben mes campagnes d'infolettres, finalement, c'est juste unidirectionnel. Mais est-ce que c'est mauvais? C'est non. On a des communications. Une autre chose que j'emmène, puis c'est pas nécessaire d'y répondre dans ce contexte-ci, c'est une façon de voir aussi les relations avec la clientèle, c'est à quel point est-ce que les gens se sentent à l'aise de communiquer directement avec l'organisme? J'en ai beaucoup, moi, qui vont appeler ou écrire au CRHSC, puis sont surpris parce que c'est le directeur général qui répond. Ils vont dire, oh, je m'attendais pas à ce que ça, d'avoir une réponse du chef de l'entreprise ou que ce soit le directeur qui se pointe pour faire quelque chose. Mm-hmm. Alors, des fois, ça peut être surprenant. On s'attend à ce que certains organismes, on va parler aux gens au comptoir devant nous, mais on voit pas les niveaux plus loin, puis sont surpris lorsque ça, il y a une attention, ou ils sentent privilégiés d'attention. Alors, c'est le genre de choses auxquelles on réfléchit. Puis encore, c'est pas que ceci prescrit quoi que ce soit. Oui. C'est vraiment juste un diagnostic. Alors là, on réalise. OK, fait qu'il y a des communications unidirectionnelles. Il y a du bidirectionnel. Il y a aussi, ce qu'on pourrait peut-être rajouter à la liste, c'est que nous, on participe dans nombreux organismes ou réseaux. On est membre de la Chambre de commerce ici à Saint-Boniface. Donc là aussi, en fonction de... Puis d'être participatif avec plusieurs des organismes de la communauté où ce que on fait des partenariats de programmation ou d'activités. Donc, il y a beaucoup de moments, justement, d'échanges puis de relations, je dirais, où ce qu'on est sur le terrain en train de travailler ensemble puis partager avec nos partenaires. Okay. Alors, je vais accrocher là-dessus. Je fais l'avocat du diable un peu, là. Yep. Le CCFM qui est membre de plusieurs réseaux, est-ce que ces réseaux-là sont de la clientèle ou sont des partenaires? Les deux. Les deux. Alors, OK. Fait que je vais le mettre dans les deux boîtes. Copy. Et c'est là que c'est ça. La grande majorité de ceux-là sont des partenaires, mais qu'ils sont aussi clients. Oui, et c'est ça. Des fois, on tombe dans les deux côtés de la médaille. Super. Et je vois qu'il y a quelques éléments de discussion dans le clavardage. Est-ce que ça devient, c'est ça, juste une location de salle ou en lien avec la programmation? Les infolettes, les médias sociaux ont été beaucoup pour des petits organismes, des moyens d'entrer en contact avec la communication, avec la clientèle, promouvoir leur nouvelle proposition de valeur. Effectivement, je suis d'accord, Amina. Et je pense que c'est important d'en être conscient, de dire, OK, ben on a accès à tel réseau de communication ou on a tel type de relation avec la clientèle. Et on voit qu'il y a des organismes qui essaient vraiment de chatouiller la clientèle, d'être proche, d'être ouvert, très convivial, alors que d'autres se contentent très bien de dire, voici. Et encore, c'est pas qu'un est meilleur que l'autre, il faut y aller avec notre modèle d'affaires. Donc, segment de clientèle, on a identifié beaucoup de types de relations ou des façons dont on interagit avec la clientèle. Les canaux de distribution sont très clairs, surtout par rapport à la proposition de valeur. Partenaires essentiels, on a des réseaux, des membres, CCFM est membre de plusieurs réseaux. Il y a des partenaires comme le Parc Provencher. Alors, si on pense à... ça crée d'autres choses ici. Là. Les locations diverses. Est-ce que les autres sources de revenus, est-ce qu'il y a des,
Est-ce qu'il y a des sources de revenus, disons, gouvernementales? Est-ce qu'il y a du soutien oui. de différents bailleurs de fonds? Oui, on a multiples bailleurs de fonds. OK. Puis, principalement des deux paliers gouvernementaux, fédéral, provincial, parfois avec le municipal, mais un peu moins. Parce que quelque chose qui est ressorti, je veux dire, qui correspond très bien avec le fait qu'il y a plus de provincial que de municipal, c'est que le centre sert la communauté francophone du Manitoba et non la communauté francophone de Winnipeg. Oui. Alors, il y a un aspect provincial important qui correspond aux lettres patentes. Alors, si même source de revenus, plus. Ah oui? On est okay. une agence de la couronne provinciale. Ah, OK. So, on appartient à la province. Fait que je vais marquer ici en termes de... Là, c'est sûr qu'on ne rentre pas dans les états financiers et le détail de chaque dollar qui rentre. Là. Je vais juste oui. mettre des grandes lignes. Donc, bourse, subvention fédérale, provinciale, juste pour les mettre là. Encore, on fait ça à titre d'exemple, c'est pas un yep. exercice exhaustif. Mais ça voudrait dire aussi que le gouvernement est un client, parce que le gouvernement paye pour que des services soient effectués. Et c'est oui. là qu'on a une petite différenciation dans un des éléments que je n'ai pas trop parlé tantôt, là. Mais les clients, il faut penser. C'est bien de penser aux clients comme étant les gens qui payent. Les bénéficiaires ne sont pas nécessairement ceux qui payent, mais c'est important de les noter, surtout dans les organismes à but non lucratif et les œuvres caritatives, parce que sans les bénéficiaires, souvent, on n'a pas de clients qui payent pour que quelqu'un bénéficie. Alors, on a une table à trois pattes qu'il faut considérer. Mm-hmm. Donc, je mets nouveaux arrivants ici et, je veux dire, bailleurs de fonds, sans élaborer trop. Bailleurs de fonds... gouvernement. Donc, structure de revenus, est-ce qu'il y a, donc, des locations diverses, est-ce que les gens payent pour la programmation? Oui, donc il y a billetterie, revenu de bar. Oh, le bar! Bar! On aime le bar. Est-ce qu'il y a un stationnement payant? Non. Non? Ça, c'est gratuit, c'est un de nos atouts. Ah, c'est gentil. Donc, c'est ça. Là, c'est ça. On ne rentrera pas trop dans la question d'argent parce que ça, on ne veut pas devenir trop aussi missile là-dedans. Mais donc, on sait qu'il y a une structure de revenus et on peut la chiffrer, puis probablement que sur les états financiers, on se regarde de le voir publiquement, mais on sait qu'il y a un volume X de transactions d'argent qui rentre et ces argents-là proviennent, on les a identifiés, de communautés franco-manitobaines, francophiles et anglophones. Et évidemment, la clientèle, il peut y avoir des anglophones qui viennent payer pour une programmation culturelle francophone aussi. Donc, la communauté provinciale ou même de l'extérieur de la province peut rentrer en ligne de compte, mais on a probablement ciblé une clientèle francophone et francophile au départ qui correspond avec la mission et les objectifs. Mm-hmm. Donc, OK. Fait que ça, je dis, de côté droit, on a quand même un bon travail de fait. En termes de ressources essentielles, quelles sont les ressources essentielles pour le CCFM? Bien, des artistes. Alors, est-ce que les artistes sont des ressources ou des partenaires? Mais que sans artistes, on n'a pas de programmation? Alors, j'aurais tendance à dire que ce sont des partenaires essentiels. OK. Parce que les artistes, en fait, le CCFM n'a pas la mainmise sur les artistes. Non. Oh, dans ce sens-là, oui. OK. Alors, eux fournissent quelque chose d'essentiel qui amène la réalisation de la proposition de valeur et ces artistes-là, je veux dire, activité essentielle, les services de location en faisaient partie tantôt, mais on peut aussi dire mm-hmm. Les prestations, performances, selon ce qu'on va appeler ça, artistique. Oui. Il faut absolument que ça se soit produit pour pouvoir amener la clientèle qui paye oui. à l'intérieur des salles, que là, tout se tienne. OK. Donc, pour les ressources, on pourrait parler de salles, équipement technique. Est-ce qu'on considère, le financement, c'est pas est-ce que ça aussi, c'est considéré une ressource essentielle ou? Je dirais oui, mais on le voit un peu plus du côté de la structure des revenus.
Mais c'est certain qu'en termes de projet, ça ferait partie des ressources qui doivent faire partie de la production. OK. Le personnel? Ah, merci, j'en attendais celui-là. Personnel, là, ce serait admin et gestion. Oui. Parce que sans ça, en plus, pour ceux qui ne connaissent pas le CCFM, je l'ai visité deux jours consécutifs, mm-hmm. 3 jours. C'est une super grosse bâtisse avec différents morceaux. Il y a une galerie d'art, il y a une salle de spectacle, une salle de réunion, en tout cas. C'est vraiment gros, ça serait impossible de gérer ça, juste dire aux artistes, ben voici la clé, arrangez-vous. Là. Ah. Alors, ça prend du personnel administratif, gestion, personnel technique aussi, je pense que vous avez à l'emploi. Oui. Alors, c'est ça, là, on y va de façon sommaire, parce qu'à la grosseur, on n'arriverait jamais à la fin dans ce court laps de temps-là qu'on a. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont possédées par l'organisme, autre que l'édifice et le personnel qui sont dedans, qu'on devrait noter comme ressources essentielles? Ben est-ce qu'on parle d'outils de communication? De communication? Parce que comme des sites web, avoir des comptes, réseaux sociaux. Oui, ça pourrait rentrer dans les ressources essentielles. Justement, la question d'Amina. Oui, on peut penser aux références de toutes les compétences pour générer la proposition de valeur. Il y a aussi tout ce qui soutient, je veux dire, la mission puis les objectifs. Fait que ça peut être vraiment très large et on peut faire un recensement assez long. Justement, ça serait un bon temps pour introduire le modèle Profiti. Fait que j'en profite pour emmener ça. Là, c'est certain qu'on fait ça en présentiel, je donne juste 10 minutes pour celui-ci. Après ça, 7-8 minutes pour le Profiti. Là, j'y vais en dégringolant pour les autres modèles parce qu'il y a des redondances, mais les redondances sont vraiment payantes parce qu'elles emmènent une différente perspective qui nourrit, je veux dire, le point de départ dans ce cas-ci qui est le modèle d'affaires, le canevas de modèle d'affaires. Alors, je vais sortir le prochain parce que là, on pense aux ressources, puis c'est incroyable la quantité de ressources auxquelles on a accès. Donc, le modèle Profiti, chaleur, eau, oui, heat and water. C'est sûr que l'édifice, si on descend à des niveaux de plus en plus petits, on a besoin d'électricité, on a besoin d'eau courante, et ce sont des choses qui, éventuellement, peuvent avoir un impact. On le voit si les services publics, d'un coup, il y a une panne, on ne peut plus accueillir le public parce que c'est plus sécuritaire, c'est plus salubre parce qu'il n'y a pas d'eau courante. On a une panne d'électricité, c'est dangereux parce que le public, l'éclairage n'est pas régler. Fait que c'est des choses, oui, qui tombent dans les ressources, peuvent être des ressources essentielles. Fait que ça dépend vraiment à quel niveau on veut microscopique ou macroscopique. Le modèle Profiti, j'en profite, puis l'accès Wi-Fi, Amina, très bon point. D'ailleurs, ça fait partie des scénarios de désastre du futur. Après la pandémie où nous nous sommes tous revirés, puis on a dit, bon, on va aller en ligne. Qu'est-ce qu'on fait si on perd l'Internet? Et quand je pose cette question-là au groupe, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour communiquer avec les gens si vous n'avez plus d'Internet? Il y a toujours un moment de silence, puis ça prend une petite minute avant que quelqu'un dise, ben on pourrait envoyer des cartes postales ou on pourrait envoyer une campagne par la poste. Mais bon, en tout cas, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Si on regarde le modèle Profiti, puis là, je suis bien en partage d'écran, on voit le... OK. Donc, oui. Profiti pour le CCFM. J'espère que je n'aurai pas d'évaluation pour ceci, puis ça va être un petit peu sommaire. En termes de ressources physiques, on peut commencer avec, il y a un édifice avec, je veux dire, salle multiple, une salle de concert même, si je ne me trompe pas, dans laquelle il y a une galerie, il y a un service, l'espace physique de billetterie qui permet aussi à l'accueil. Il y a un restaurant. Il y a un restaurant-bar, je pense. Oui. Il y a les deux. On a un restaurant au rez-de-chaussée, puis après ça, on a un bar en haut. Alors, la quantité de choses physiques qu'on pourrait recenser est longue. Et d'ailleurs, c'est ça, j'avais fait un petit peu l'exercice avec ton personnel lorsqu'on a fait la présentation là-bas. Ça peut être aussi pédant que dire il y a des tables, il y a des chaises. Oui.
Il y a des ordinateurs, il y a des imprimantes. La liste pourrait être interminable dans un sens ou exhaustive dans l'autre. Il y a quelqu'un qui pose une question, juste vérifier. Est-ce que les ressources englobent autant les infrastructures physiques que les compétences humaines? J'arrive aux compétences humaines, Amina, et c'est évidemment d'une shop RH, on veut parler de compétences. Alors, les ressources physiques, là, on ne pourra pas mettre tout ce qui existe au CCFM, ça serait vraiment long. Mais c'est le genre de choses qu'en groupe, on dit à 5-10 employés, mettez toute la. On va, puis on met une liste en commun, puis on va le voir. Parce que si le CCFM dit ah, ben, on va offrir un service de traiteur, ah, ben là, tout d'un coup, peut-être qu'on n'a pas les tables, les chaises pour pouvoir manger, les réchauds pour les buffets. Et, il nous manque de l'équipement. Alors que si on dit on va être l'hôte d'une conférence, ah oui, on a assez de tables rondes ou rectangulaires et de nombre de chaises pour offrir une conférence jusqu'à 40 personnes dans une salle fermée. On a un écran projecteur. Alors, on peut nommer vraiment beaucoup de choses. Ça nous permet de vraiment élucider mm-hmm. toutes les ressources physiques qui sont là. Il est vraiment un bon restaurant au CCFM. J'ai pas eu la chance d'essayer pendant que j'étais là. C'est Stella's, yep. La réputation, ça, c'est un de mes préférés dans ce modèle-là parce qu'on y pense pas toujours. Est-ce que le CCFM a une bonne réputation? Juste par le commentaire de Kathleen, « Ah, il y a un très bon restaurant. » Fait que les gens, lorsqu'ils pensent, tu sais, c'est pas nécessairement le CCFM directement, mais ils disent « Ah, il y a une belle programmation. Hey, » Et puis en plus, il y a un bon restaurant, on va en faire une soirée. On va y aller, puis ça peut générer du bon vouloir, du capital même. Et lorsqu'on pense à aller à la banque, si on dit « Ah, ben moi, j'ai besoin d'aller chercher un emprunt ou une carte de crédit. » Si l'organisme a très mauvaise réputation, il y a des chances que les gens ne veulent pas interagir avec l'organisme. Mm-hmm. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si on pense à la réputation comme étant une ressource, on peut dire que le CCFM a une bonne réputation qui peut ouvrir des portes. Et si Ginette, je ne sais pas, on la catégorise comme étant une patronne effroyable, ça se peut que ça mette des gens à froid, mais si Ginette, avec son bagage d'expérience et d'accomplissement, amène encore plus de crédibilité au CCFM, ça ouvre des portes. Alors, la réputation, on oublie à quel point que c'est une ressource importante, et lorsqu'on fait des demandes de fonds aux différents bailleurs, on peut leur dire, hey, ben moi, j'ai une satisfaction de la clientèle à 98%, j'ai tel ou tel témoignage qui dit qu'on est vraiment excellent, ça nourrit notre possibilité d'aller chercher des atouts. Mm-hmm. Alors, on ne restera pas là-dessus trop longtemps. Organisationnel, je le saute. Financière. Est-ce que le CCFM a des ressources financières? Est-ce qu'il y a de l'argent dans le compte de banque? Les ressources ne sont pas adéquates, mais on en a. OK. Est-ce qu'il y a de l'argent en banque? En ce moment, oui. OK. Argent en banque. Je ne sais pas comment mettre le green check. Est-ce que le CCFM a accès à du crédit, que ce soit par une carte de crédit ou une ligne de crédit? Ligne de crédit. Ligne de crédit. Oh, puis des cartes de crédit aussi, oui. Carte de crédit. C'est forcément une ressource parce que vous avez la mainmise dessus. D'un coup, il y a un petit problème de cash flow. OK, bon, on va le mettre sur la carte en attendant que le bailleur de fonds nous envoie notre avance ou notre paiement ou que les recettes de billetterie sont enregistrées à la banque, c'est une ressource. Il ne faut pas nécessairement compter dessus, mais elle fait partie de l'arsenal du CCFM. D'accord. Alors là, c'est sûr, on ne rentrera pas dans trop de détails. Les ressources intellectuelles, puis ça revient au point d'Amina. Les compétences, si on pense au personnel qui est en place, est-ce que je peux dire que dans la personne de Ginette Lavac, il y a des compétences de gestion. Oui. Est-ce qu'il y a des compétences d'administration dans le personnel? Oui. Est-ce qu'il y a des compétences de communication? Oui. Est-ce qu'il y a des compétences de... Vente. Des compétences vente. Financière. Oui. Alors... Technique. Technique, oui. Oh, compétences techniques. Est-ce que le CCFM possède des études ou des sondages, de l'information générale qui peut l'appuyer dans sa production ou sa programmation, sa préparation? Oui. C'est je dirais fou, aussi, là, il y a pour ajouter aux compétences, il y a aussi la compétence de maintien ou opérationnel, comme on a quelqu'un qui doit gérer le HVAC et
la conciergerie et tout. Donc, yeah. C'est incroyable lorsqu'on commence à ajouter tout ça, la quantité de choses sur lesquelles on se fie. Et après ça, ça nous fait aussi réaliser que, oh, on a des vulnérabilités. Ici, je donne un exemple un peu farfelu. Admettons que toutes ces compétences intellectuelles-là résidaient seulement dans la personne de Ginette et que Ginette devait s'assurer que tout le monde fasse sa volonté. On réalise qu'on a une vulnérabilité incroyable parce que si Ginette tombe malade, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, ça nous aide aussi à identifier nos vulnérabilités lorsqu'on voit les ressources qu'on a. Créativité, de Marc Laliberté, du personnel accueillant et ou aide à la réputation du restaurant. Oui, il y a des compétences pour répondre à Marc, peut-être côté artistique, comme des connaissances de l'artistique et puis comment programmer et tout. Donc, oui, créativité. Alors, comme je dis, en termes de, dans un bloc de 3 heures, on n'a pas assez de temps pour tout recenser, surtout pour la grandeur de l'organisme. Lorsqu'on parle de peut-être une personne qui entreprend une carrière artistique, la liste de choses va prendre un peu moins de temps à produire parce qu'on parle d'une personne. Mais c'est important de noter le plus possible parce qu'on va se faire questionner, on va se faire challenger en bon français sur ce qu'on possède pour pouvoir produire. Fait que la liste de compétences intellectuelles, puis une des façons que je suggère de le faire, c'est avec le modèle McKinsey 7S, c'est on commence par recenser le personnel qui se trouve dans l'organisme, et à chaque personne, on met les compétences intellectuelles ou les connaissances ou le savoir-faire, et qu'on prend ce bloc-là, puis après ça, on l'importe tout simplement dans le bloc profiti connaissances ou ressources intellectuelles. Parce qu'à la pièce, on finit plus par ça. Bon, on se demande où est-ce qu'on arrête. Les ressources technologiques. Tantôt, quelqu'un a mentionné le Wi-Fi. Je confirme, il y a du Wi-Fi au CCFM. Wi-Fi. Il y a certainement une quantité d'ordinateurs. Je ne les ai pas vus, mais j'en ai vu au moins un pendant que j'étais là. Ordinateurs. Et là, on pourrait mettre une liste vraiment longue. Puis encore, on fait un travail très sommaire. C'est juste pour... remue-ménage. Une imprimante, est-ce que c'est une ressource technologique ou une ressource physique? À mon avis, ça ne change pas grand-chose si on le met dans physique ou technologique, parce que l'important, c'est de l'inclure. Est-ce qu'on a besoin de dire « j'ai une imprimante XP, Canon, j'ai 4 imprimantes, okay, je suis capable de faire des gros travaux. Est-ce que je peux produire moi-même mes 5000 livrets? Non, parce que j'ai besoin d'une machine industrielle. Alors, c'est peut-être quelque chose qui nous manque. Donc, mais souvent, ce qui nous manque, et on peut tirer une ligne dans le modèle Profiti, et du côté gauche, droit, peu importe, on écrit toutes les choses qu'on a. Et à droite, on peut les mettre en rouge, dire toutes les choses qui nous manquent. Et les choses qui nous manquent, typiquement, on va chercher un partenaire essentiel. Si j'ai besoin de diffuser ma programmation et ça, je dois absolument l'envoyer par la poste ou je dois laisser des dépliants partout, ça me prend un partenaire pour pouvoir remplir cette fonction de communication-là. Il va rejoindre mes relations de clientèle avec les segments de clients qui doivent faire partie de ma programmation ou les clients qui viennent dans la salle. Alors, on voit que tout ça se tient et en utilisant le modèle Profiti, il est très facile d'élaborer sur toutes les choses qu'on n'a pas en main qui font en sorte qu'ils nous nécessitent un partenaire essentiel. C'est bon, parce que Ginette, on est vraiment sur le spot ici avec le CCFM. Yeah. Et voilà. Ordinateur, on pourrait être très pédestre ou pédantique et dire j'ai 52 souris, j'ai 20 souris. Yeah. À un moment donné, il faut décider, OK, non, j'ai le matériel de bureau nécessaire. J'engage quelqu'un de nouveau, ça va me prendre un ordinateur, ça va me prendre une chaise, ça va me prendre un bureau. Fait qu'il y a une couple de gros bon sens qu'on n'est pas obligé de mettre, mais le plus qu'on met d'informations ici, le plus éclairé qu'on est. Amina, une autre question. Salle de conférence équipée en moyens de communication, ce serait quelle catégorie? Alors voilà, Amina, ça rentre dans la question. Est-ce que, et je peux le confirmer, il y a une super salle de conférence là-bas avec un immense écran projecteur et ils ont une machine, un OWL, que ça s'appelle? Que ce soit une ressource physique ou technologique, le plus important pour moi, c'est que ça soit indiqué et compris dans la liste, que ce soit sous la catégorie physique ou technologique, ça me chatouille un peu moins, c'est pas grave, c'est un choix.
le Owl, qui est une espèce de caméra avec speaker intégré et tout Wi-Fi. En tout cas, je mettrais ça dans le technologique juste parce que ça correspond, mais la salle comme telle, ça serait une ressource physique. Le projecteur, des fois, le mur, on utilise tout simplement le mur. Est-ce que c'est physique ou c'est technologique? Mais le projecteur comme tel, je mettrais dans technologique. On peut aussi mettre les logiciels. Si j'ai QuickBooks, c'est essentiel à ma production pour ma tenue de livre. Le serveur qui sert pour toutes les communications technologiques, je le mettrais dans technologique. Alors, c'est certain qu'on peut en générer beaucoup. Des chaises ergonomiques, j'aurais tendance à mettre ça dans ressources physiques pour répondre à Mina. Logiciel de gestion de planification, je mettrais ça dans technologique. Et c'est vraiment rattaché à une compétence de quelqu'un qui peut s'en servir. Donc, la compétence intellectuelle d'utiliser ces logiciels-là. Alors, on voit qu'il y a vraiment énormément de stocks qui peut servir. En passant, le Owl qu'on a utilisé, c'était emprunté par un de nos partenaires parce que nous, on ne l'appartient pas. Ah oui, c'est vrai, ils m'avaient dit ça, les techniciens. Oui. J'ai contemplé d'en acheter un parce que c'est vraiment efficace. En tout cas, si quelqu'un cherche quelque chose pour animer des conférences présentielles et virtuelles simultanées, là, c'est imbattable comme produit. Mm-hmm. Voilà, faites une plug pour une autre compagnie. les ressources informatives. Alors, tantôt, j'ai mentionné des études, des sondages. Et tantôt, tu parlais de réseau. Je pense qu'on peut aussi inclure ces mêmes choses-là dans les ressources informatives. Est-ce que j'ai des études de marché qui me démontrent un besoin? Comment ma clientèle interagit avec mon organisme? Est-ce que j'ai des sondages de satisfaction clientèle? Est-ce que j'ai des sondages ou des études de marché qui me démontrent que, ben, dans le fond, il faudrait que je planifie une programmation ukraino-française parce qu'il y a une grande recrudescence d'immigration ukrainienne en ce moment et ils ont une grande affiliation avec la francophilie. J'invente des affaires, mais est-ce que j'ai des ressources informatives qui me permettent de mieux m'orienter dans mes travaux? Tantôt, tu mentionnais des réseaux. Je mettrais tous les réseaux du CCFM là, dire ben, j'ai tel réseau duquel on fait partie. Et c'est toutes des ressources. Mm-hmm. Et là, après ça, c'est ça, je coupe un peu court parce qu'on est pris dans le temps, mais tout ce qui se trouve ici peut avoir un apport essentiel et vraiment important dans le canevas d'affaires. Et des fois, on pourrait dire, bon, ressources essentielles, écoute, on ne va pas tout importer ce qu'il y avait dans le modèle Profiti, on va juste dire, va voir le modèle Profiti. Mais je pense que ce serait important. Oh, quelqu'un doit nous quitter. Au revoir, merci et à bientôt. Mais je pense que les partenaires, ça serait important de mettre la liste de partenaires parce qu'ils sont d'un sens essentiel à la production et aussi une vulnérabilité parce que si on perd le partenaire, on perd les ressources que ce partenaire-là nous amène. Et de là, la différenciation dans le modèle Profiti des ressources sur lesquelles on a la main mise et sur les ressources qu'on a absolument besoin en termes de production, mais qu'on n'a pas la main mise dessus. Alors voilà, ça nous permet d'avoir vu le Profiti. J'en profite pour emmener le McKinsey 7S à ce point-ci. Puis vous voyez comment on peut passer, je veux dire, une heure à faire ça ou on peut passer une semaine. Puis je dirais, une fois qu'on a commencé le travail, un des conseils que j'offre, c'est une fois que vous l'avez fait une fois, enregistrez vos documents, puis revenez-y. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui change ou que vous réfléchissez à quelque chose, revisitez vos cadres théoriques avec les listes. Et remettez-les à jour. Comme ça, ça reste toujours frais. Puis je vous garantis que quand vous allez faire une demande de subvention, vous allez vous lancer dans un autre projet, vous allez probablement vous servir de chacune de ces listes-là pour l'inclure dans l'information que vous présentez au bailleur de fonds pour l'articulation d'un projet. Là, c'est certain qu'on a focusé sur le CCFM, mais j'ai pas vu un organisme à qui ça ne pouvait pas s'appliquer, ces choses-là. Je vais passer juste vraiment rapidement sur le McKinsey 7S. C'est un autre modèle que j'aime beaucoup parce qu'il permet une autre perspective qui est tout aussi bonne pour amener de l'information. Fait que le schéma qu'on utilise là, c'est librement traduit, puis c'est une firme de consultants anglophone. Et les 7S sont les S en anglais. Strategy, Systems, Staff, Skills, Style, Structure, puis Shared Values. Alors, il y a 7 S. Là, en français, ça ne marche pas, mais regarde, on est proche.
la stratégie, les systèmes, les équipes, le savoir-faire, le style, la structure est au centre de tout. Ce qui est vraiment important, c'est les valeurs partagées, les valeurs de l'organisme. Et ce que j'aime de ce tableau-là est que les valeurs partagées devraient normalement être reflétées dans chacune des autres bulles. Alors, lorsqu'on parle d'une stratégie corporative ou organisationnelle, si la stratégie va à l'encontre des valeurs, et là, tantôt, je parlais d'un groupe de haine, on l'a vu tout de suite, Ginette, non, ça ne marchera pas, ça va pas avec nos valeurs. Alors, on peut dire que malgré qu'on a une stratégie business, on ne va pas louer à n'importe qui. Ça ne marche pas. Alors, les valeurs partagées devraient être reflétées dans toutes les autres bulles de l'organisme pour éviter des dissonances cognitives. Et ces valeurs-là ne devraient pas... Des fois, on voit des organismes qui ont des listes de 20 valeurs. C'est probablement un peu trop. Et est-ce que ça relève de l'opérationnel, de l'éthique de l'opération ou une valeur profonde de l'organisme? Si je prends CCFM, la francophonie serait probablement une des valeurs de prédilection. Mm-hmm. Parce que ça fait partie du pourquoi. Probablement qu'il y aurait la communauté là-dedans ou des choses comme ça. Mais bon, les valeurs partagées devraient être reflétées partout. Quelle est la stratégie de l'organisme? On y répondra pas juste parce qu'on dans l'intérêt du temps. Mais je vous invite à les remplir pour vos organismes. Comment l'organisme cherche à fournir de la valeur ou saisir une plus-value ou se tailler une place dans le marché? C'est quoi la stratégie pour y arriver? C'est plutôt corporatif. On n'oublie pas que ça vient d'une firme de consultants. La structure, qui n'est pas tout à fait couverte dans le modèle d'affaires, je vais l'agrandir un petit peu. Quels sont les rapports hiérarchiques et la responsabilité au sein de l'organisme, la division ou du fonctionnement de l'organisme en termes de structure opérationnelle ou organisationnelle? Est-ce qu'il y a une structure? Et on peut le voir autant au niveau opération-production qu'on peut le voir l'organisme. Alors, j'ai un diagramme en râteau, j'ai mon CA, j'ai direction générale et j'ai différentes unités fonctionnelles, mais j'ai aussi des réseaux de gens avec qui on interagit ou on fait partie de notre structure. Tu as mentionné que le CCFM, c'est une agence de la couronne. Alors, il y a cette grande structure-là est rattachée au gouvernement provincial. Je paraphrase un peu. Là. Est-ce qu'on a des réseaux ou des groupes, des comités consultatifs qui font partie de notre ensemble large et comment ils interagissent avec la structure de l'organisme? Alors, on peut voir ça très large ou on peut le voir très restreint, vraiment au choix de la personne qui le remplit. Le style, ça peut être vu de différentes façons. Puis encore, c'est de l'interprétation. Est-ce que j'ai une compagnie comme Google qui a des sacs, des beanbags, des salles où les gens vont en pause quand ils veulent? On a une banque illimitée de vacances ou on est un organisme plus rigide, hiérarchique, bureaucratique? La structure et la stratégie vont de pair en matière de leadership et des processus. Mais il faut aussi que ça s'enligne avec les systèmes en place. Alors, est-ce que notre style d'organisme correspond à quelque chose en particulier ou on n'est pas trop sûr de notre propre style? Est-ce que j'ai un organisme qui est très, à l'affût de l'heure présente? Là? On est très public, politically correct, on est très orienté vers l'extérieur ou on est quelque chose d'un peu, une entité un peu plus fermée? Bref, quel est le style de notre organisme? Les systèmes en place, est-ce qu'on a des systèmes de production? Est-ce qu'on voit qu'on est organisé en termes d'organismes de production? Est-ce qu'on est capable de suivre la transformation des matières premières ou même les matières premières qui arrivent vers le livrable final, les activités essentielles qui nous permettent de satisfaire notre mission? Ça peut amener beaucoup de matière à réflexion. Là. Workflow, oui, effectivement. Est-ce qu'on est organisé? Ah, d'ailleurs, Amina, ça me fait penser, il faut que je revienne au profit dans 2 secondes. Et tout ceci est rendu possible grâce, évidemment, à un personnel. Il y a des gens qui travaillent, qui exécutent des tâches. Et ces tâches-là, c'est pas pour rien que personnel est à côté de compétences. Normalement, on embauche des gens parce qu'ils amènent une compétence, ne serait-ce qu'une compétence de base. Si je prends l'exemple de la billetterie, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est investi au niveau stratégique, mais on a besoin de quelqu'un qui a une compétence d'accueil à la clientèle, de chaleur et de convivialité pour être capable de servir la clientèle. Peut-être que, parce que Ginette, c'est juste la souffre-douleur de l'heure, peut-être que Ginette, qui s'occupe de l'horizon stratégique, est aussi derrière la billetterie et accueille les clients par elle-même. Ben ça pourrait correspondre aussi au style où on veut avoir vraiment un engagement interpersonnel. Bref,
Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être élaborées ici. On voit des redondances. Alors, personnel et compétences, si on revient au profitis, on pense aux ressources intellectuelles et le personnel qui fait partie des ressources intellectuelles. Les ressources informationnelles, ça peut être ressorti ici. Et les valeurs partagées. Alors, vu qu'on a mis le CCFM dans, un peu dans, le spotlight ici, là, est-ce que les valeurs du CCFM sont connues, sues et diffusées à travers l'organisme? Je dirais que oui. Tu as besoin de plus de détails? Non, non, c'est bon, c'est bon. Et est-ce qu'elles, ouais. Est-ce qu'elles sont manifestées dans les, je veux dire, les six autres bulles, les six autres S du modèle McKinsey? En gros, mais on a probablement du travail à faire. Oh, il y a toujours du travail à faire, on n'a jamais fini, hein, sinon... Mais c'est ça. Oui. J'imagine la francophonie comme étant, je veux dire, une valeur de départ. Oui. Ça se reflète certainement dans la stratégie, la programmation, l'approche avec la communauté, dans les systèmes, la structure. Probablement que la plupart du travail se fait en français. Le style va être aussi affecté. Vous ne publiez probablement pas du matériel unilingue anglophone. Justement. Le savoir-faire, les gens qui travaillent dans l'organisme, leurs compétences. Ouais. Si on prend QuickBooks, c'est peut-être pas nécessairement français, mais ils ont sûrement la capacité de transmettre cette information-là en français. Et les équipes, probablement qu'il y a beaucoup de francophones qui travaillent au CCFM. Mm-hmm. Complètement. Alors, juste un exemple, je veux dire, un peu surface, comment ça peut être, ces valeurs-là sont représentées partout. Je reviens au profitis, je n'avais sauté un tantôt. Organisationnel. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes organisés? Et là, que ce soit dans le McKinsey 7S en termes de structure ou workflow ou les systèmes, et encore, ça peut être sujet à l'interprétation. Qu'est-ce qu'on met où? Et ça appartient à la personne qui le remplit. C'est pas en 3 heures que je veux vous montrer comment faire ou nécessairement vous convaincre d'une façon de faire et la seule. Le workflow, est-ce que nous sommes organisés pour être capables de livrer cette proposition de valeur? Et où, dans ce cas-ci, ça pourrait aussi être, OK, j'ai mon diagramme en râteau de mon organisme, mais j'ai aussi des comités consultatifs, je fais partie de différents réseaux. Comment est-ce que ça s'organise ou comment est-ce que c'est organisé pour que mon organisme soit en lien avec les autres parties prenantes? Alors, pour ça que j'ai sauté tantôt, c'est qu'organisationnel peut être un peu un fourre-tout des ressources. On ne sait pas trop où les mettre ailleurs dans le modèle profitis. On dit, c'est quand même important, alors je veux le mettre à quelque part, puis je vais le mettre dans organisationnel parce que l'organisation le possède, tout simplement. Alors, c'est un peu, en anglais, un cop-out. C'est aussi une manière d'absorber tout ce qu'on pourrait vouloir. C'est bon. Est-ce qu'on a des questions sur ces modèles théoriques-là, n'importe qui. Je m'excuse, je parle beaucoup depuis tantôt, puis je mets Ginette sur le spot, là. On peut lui donner un petit break. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau? Clair comme l'eau de roche? OK. Je vous en partage un dernier avant de revenir à, je veux dire, les autres éléments de la présentation. Puis là, est-ce qu'on a encore pas mal, encore une couple de personnes sur l'appel, là? Celui-ci qui a été créé parce qu'à un moment donné, on avait peur de ne pas pouvoir inclure le modèle McKinsey 7S. Et on ne rentre pas en détail dedans, mais ça a été une production qui se voulait pouvoir remplacer le McKinsey 7S et absorber le plus possible des autres modèles théoriques. Cela dit, je suis vraiment un grand fan de dire on utilise le plus possible de modèles jusqu'à un certain point parce que leurs différentes perspectives nous emmènent différentes idées ou mettent en lumière différents éléments. Celui-ci, comme je dis, est assez massif. Le MVOV GAMP à dire pourquoi, c'est un acronyme barbare, épouvantable. On pourrait aussi l'appeler le REDIEC, si on voulait, ou REDICE. Bref. 4 bulles, je m'excuse, c'est un peu gros, je vais les réduire. 4 bulles, la première au centre, la raison d'être. La mission, les objectifs et les valeurs sont les éléments fondamentaux d'un organisme. Au-delà de ça, tout organisme va avoir une forme de gouvernance, administration, management et du personnel.
ça se peut que ce soit tout relié dans la même personne, si c'est une entreprise à une personne. Ça se peut que tout ça soit regroupé sous une face. Exécution, il y a des processus, il y a des opérations, il y a des compétences et des atouts qui servent à l'exécution de la production. Et il y a toujours une notion de contrôle qui peut confirmer ou qui peut décider que la qualité est rencontrée ou qu'on satisfait les éléments de notre mission, objectif et valeur. Quelle est l'autorité décisionnelle? Comment se manifeste-t-elle? Ou l'infrastructure de responsabilité? Bref, je pense que tous ces éléments-là existent à quelque part dans un organisme et on peut essayer de les énumérer. Ça peut être beaucoup de travail, mais ce n'est pas nécessairement plus de travail que les autres cadres théoriques qu'on a discutés. Je vais réduire un petit peu la fenêtre ici. Alors, ça se ramasse sous quatre grandes catégories avec les sous-points qu'on peut remplir. Je n'ai pas mentionné vision tantôt parce que la vision, on peut la changer 30 fois dans la semaine. Ce n'est pas la fin du monde. Mais changer ses valeurs à tous les jours va vraiment miner la crédibilité d'un organisme. On ne peut pas changer notre mission ou nos objectifs non plus trop facilement. Mais la vision est souvent rattachée à la raison d'être et ce qu'on veut accomplir. Alors, on l'a gardé là comme faisant partie de la raison d'être et de l'aspect fondamental. Donc, il serait possible de remplir toute cette grille-là aussi. C'est une autre façon d'y arriver. Mais si vous avez fait le travail avec les autres cadres théoriques, vous avez déjà pas mal de tout ça fourni. Ça amène aussi la possibilité de discuter. La gouvernance, administration et management. Souvent, le terme administration est utilisé pour les deux ou les trois où c'est tout regroupé en un. Alors, c'est pour ça que celle-là apparaît en gris. Et ça se peut que pour vous autres, gouvernance veut dire quelque chose, management veut dire quelque chose d'autre. Ça se peut que le management veut dire quelque chose par-dessus la gouvernance. Bref, c'est tous des thèmes à explorer, puis j'invite les gens à les définir pour eux et pour leur organisme et d'être capable de mentionner comment ça se manifeste dans leur organisme. Deux choses qu'on n'a pas discutées encore dans les cadres théoriques, c'est pour votre organisme. Est-ce que vous êtes capable d'identifier le modèle de gouvernance si vous avez un organisme à but non lucratif? Est-ce que vous êtes capable d'identifier à l'intérieur soit du style, les compétences, les savoir-faire, toutes ces différentes bulles ou perspectives-là, quels sont les styles ou les types de leaders que vous avez en place et quelle est votre capacité de gestion du changement? Alors, gouvernance, on peut y penser, et aussi le type de leadership qui est à l'intérieur de l'organisme présentement. Et est-ce que ça correspond aussi avec la stratégie, la mission, les objectifs? Alors, on peut voir des alignements ou des désalignements. Encore, on n'est pas ici pour faire des interventions, alors on vous laisse réfléchir à ça. L'autre chose qu'on n'a pas discuté, mais qui peut être très, très facilement rajoutée à n'importe quel de ces cadres théoriques-là, c'est le cycle de vie de l'organisme. Et là, je vois qu'il y a ici une faute. Ça n'a pas été traduit en français. On va corriger ça. J'avais accroché une autre faute de français tantôt, je m'excuse. Des fois, il y en a qui nous glissent entre les doigts. Alors, avec tous ces travaux et ces cadres-là, on arrive à un diagnostic organisationnel très robuste. Et si après ça, on veut pratiquer un FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, je trouve qu'on a vraiment un tableau très large et compréhensif qui nous permet d'identifier nos forces, nos faiblesses. S'il y a des opportunités qu'on peut saisir ou des menaces parce qu'on a des vulnérabilités ou des faiblesses potentielles. Excusez, je vais juste passer, je vais avancer ici. Puis là, il nous reste juste quelques minutes, alors on va avancer. Si vous avez besoin de vous étirer, vous pouvez toujours faire ça sur caméra ou en dehors de la caméra. Et merci, Ginette, pour de nous avoir prêté le CCFM comme organisme de fond pour pouvoir discuter de ces choses-là. Lorsqu'on veut se préparer à la résilience, parce qu'encore, on parle ici de préparation, c'est un module de développement professionnel afin d'être prêt pour le potentiel prochain problème. Une fois qu'on a identifié nos partenaires essentiels, nos activités essentielles et nos ressources clés, nos ressources essentielles, on voit que toutes ces choses-là sont aussi des potentielles vulnérabilités. Parce que si on ne l'a pas, on n'est pas nécessairement en mesure de produire et remplir, satisfaire notre proposition de valeur qui vient servir les segments de clientèle et amener les structures de revenus ou les sources de revenus.
Alors, afin de se préparer, on pense aussi à qu'est-ce qui pourrait affecter négativement ou positivement, qu'est-ce qui pourrait surtout affecter négativement nos partenaires, nos ressources et nos activités essentielles. Le PESTEL est généralement connu, acronyme très facile, le plan politique, environnemental, social, technologique, légal ou économique. Et qu'est-ce qui pourrait arriver qui aurait un impact sur nos éléments essentiels et qui pourrait déranger ou qui pourrait aider. Prends un exemple. Si on décidait qu'au niveau légal, on changeait les droits d'auteur et les redevances de droits d'auteur. Si, du jour au lendemain, il y a un changement légal qui fait en sorte que les redevances et droits d'auteur sont quintuplés, les artistes diraient « Oh, wow! Je pourrais faire 5 fois ce que je fais avec les plateformes numériques. » Mais il y aurait... Alors, ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est que les plateformes numériques risqueraient d'augmenter leur prix parce qu'ils doivent payer 5 fois les redevances aux artistes. Le prix qui augmente fait en sorte que le consommateur, après ça, moyen, aurait peut-être tendance à diminuer sa consommation ou son modèle d'adhésion. Ce qui se traduit aussi en une baisse de consommation qui se traduit en une baisse des redevances des droits d'auteur. Alors, c'est quelque chose qui pourrait être vu comme étant très bénéfique court terme, mais qui pourrait aussi générer une perte à moyen ou long terme. Là, je ne prédis pas le malheur ici, mais c'est quelque chose à considérer. Donc, en termes légaux, les droits d'auteur seraient une considération PESTEL. Les facteurs environnementaux, je sais, parce que je vais prendre le CCFM comme exemple, juste parce que quand j'étais là, ils n'ont parlé. La transition de matériel de plastique, les pailles au bord. À un moment donné, quelqu'un a dit « Ah, on devrait arrêter d'utiliser le plastique parce que c'est on s'attire de la critique. » Donc, maintenant, on est passé aux pailles en bambou. Donc, une considération environnementale, si on avait poursuivi avec le plastique, on aurait pu s'attirer de l'attention négative des groupes pro-environnementaux. Et la liste peut être très longue. Est-ce que notre environnement de travail ou notre production génère énormément d'impact environnemental négatif? Typiquement, l'artiste, je veux dire, on va parler pour les guitaristes pour 2 secondes. Un guitariste qui s'assoit et qui produit de la musique, généralement ne pollue pas trop. Mais si on réimprime les mêmes partitions 30 fois, ben là, il y a un impact parce qu'on consomme beaucoup de papier alors qu'on pourrait peut-être le mettre sur un ordinateur et utiliser une tablette pour lire les partitions au lieu d'imprimer, ce qui coûte de l'encre ou qui produit du papier. Alors, quel est notre impact environnemental et est-ce que ça va causer des soucis dans notre idée de développement durable et de production durable? Bref, on peut faire toute une longue liste de choses et si on pense, je reprends le CCFM, qui est dans un centre urbain relativement, je veux dire, stable économiquement, si tout d'un coup il y avait un revirement économique important et que la population manitobaine ou en fait winnipegaise tombait sous le seuil de la pauvreté, alors là, on aurait probablement un impact important sur le CCFM. Étant un agent de la couronne, peut-être que la couronne pourrait peut-être appuyer là où il y aurait un manquement, mais bon, c'est une part importante. Alors, en identifiant les structures ou les sources de revenus, on est capable de voir qu'économiquement, il y a peut-être des choses qui pourraient se passer qui nous affecteraient. Si la population passe sous le seuil de la pauvreté, donc les revenus de billetterie, on peut anticiper qu'ils vont tomber beaucoup. Les services de location seraient plus aussi rentables qu'avant. À l'inverse, je ne sais pas, il y a une usine de production de paille verte qui vient s'implanter à Winnipeg et c'est la production mondiale qui se fait là. Il y aurait peut-être un boom économique et donc là, on pense que la billetterie pourrait exploser, les revenus du bord pourraient augmenter, bref. Tout ça pourrait avoir un enjeu sur l'organisme. Et donc ça, c'est des facteurs externes qui ont un impact sur l'organisme. Amina, merci, je vois des contributions dans le clavardage. La transition vers les produits écologiques est une belle façon de soutenir, d'être en partenariat avec des entreprises, des entrepreneurs locaux. Effectivement, et ça rentre aussi si on pense au modèle Canva d'affaires. Est-ce que j'ai des partenaires qui peuvent me fournir des choses qui ont un impact positif? Alors, c'est de l'externe, mais c'est de l'interne aussi. On n'existe pas dans un vide. On existe à l'intérieur d'un environnement.
favoriser l'émergence économique d'organisations entreprises vouées à l'environnement. Effectivement, merci encore Amina pour... est-ce que c'est Amina, ça? Oui. Est-ce que oui? Amina, oui. Merci pour ces contributions-là. Effectivement, et ça revient à une des définitions qu'on parlait au début, la durabilité, le développement durable. En ce moment, c'est très difficile de formuler des projets qui n'ont pas soit un impact en termes de développement durable, ou du moins qui n'ont pas un impact, ou on cherche, qui a un impact défavorable envers l'environnement. C'est très difficile de le vendre, ce projet-là, et de cette production-là. Alors, c'est des choses importantes à considérer, et je pense, je me rappelle plus qui était au HEC, mais dans le cours de gestion de projet, justement, je parlais aux étudiants en leur disant que vous devez réfléchir au développement durable dans n'importe quel projet que vous articulez, parce que c'est rendu un enjeu important. Peut-être que votre projet n'a pas d'impact sur le développement durable, tant mieux, mais c'est rendu de plus en plus difficile de l'éviter. Alors, ça fait partie des considérations de tout. Et faut, en performant un diagnostic organisationnel, on est probablement capable d'identifier des zones problématiques en termes de développement durable. Et évidemment, on veut continuer à produire artistiquement et culturellement. Donc, oups, excusez, j'ai sauté. On a quelques exemples qui ont été partagés à travers la distribution des différentes ressources qu'on partageait aujourd'hui. Tout ceci est disponible aussi pour ceux qui vont l'écouter en ligne sur YouTube ou dans le futur, si vous avez besoin, faites-nous signe, on peut partager ça. Petite liste de choses qui, à l'époque où on mettait cette liste, on créait la liste, il y avait quelques affaires qui étaient, je veux dire, vues comme étant comiques, mais qui se sont malheureusement produites pas longtemps après. Je veux juste répondre à la question de Amina ici. Est-ce que la définition des objectifs de développement durable est intégrée dans la définition de la proposition de valeur? Alors, pour répondre à la, juste répondre à la question, je dis non. Mais il est très possible d'inscrire les notions ou les définitions de développement durable dans une valeur, une proposition de valeur. Il y a des organismes qui, malheureusement, ne correspondent pas sans vilifier qui ou quoi que ce soit. Si je prends les industries pétrolières, ils ne sont pas nécessairement inscrits dans leur proposition de valeur. Ce n'est pas nécessairement un développement durable qui est inscrit dans leur proposition de valeur. Et ils sont pris maintenant à redresser, à essayer de trouver des moyens que leur production puisse contribuer au développement durable. Alors ça, c'est une question d'ordre stratégique et fondamental pour un organisme qui démarre ou qui aujourd'hui réalise, OK, on a peut-être besoin de revoir certains éléments de notre mission parce que c'est pas durable. Mais donc cette question-là, merci Amina, et cette question-là dans le sens large, est une considération, c'est un impératif aujourd'hui. Mais il n'est pas impératif que le développement durable soit inscrit dans la mission ou les objectifs d'un organisme. J'encourage tout le monde à l'inscrire. Juste pour être certain qu'on se comprend tous et toutes. Voilà, Amina, j'espère que ça répond à la question. Et c'est très possible aussi d'élaborer une politique de développement durable ou éco-responsable en parallèle avec la mission et les politiques organisationnelles. Petit plug pour le CRHSC, on peut vous aider avec ça. On est déjà en train de travailler avec différents groupes là-dessus, justement. Donc, c'est ça, la liste ici qui apparaît à l'écran. En fait, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont produites après qu'on ait produit la liste. La guerre en Ukraine, c'est une des choses qui est sortie. Alors, on a rajouté un peu certains morceaux. Mais si on pense aux mouvements sociaux en ce moment, la majorité globale, si elle refusait de promouvoir la production culturelle ou de la minorité globale, qui est essentiellement, si on les appelle, je m'excuse, manque de terminologie, si les Blancs ou les colonisateurs, ça pourrait affecter énormément de production artistique au Canada. Les troubles civils, comme les barrages, le barrage de train, la crise au cas, le convoi de la liberté, le Freedom Convoy, et ou d'autres choses, il peut y avoir des mouvements sociaux qui peuvent empêcher notre production artistique, même si c'est pas rattaché du tout à notre production. C'est sûr qu'au niveau politique, le protectionnisme, des choses comme ça, peut créer des problèmes de production et de livraison internationale.
Si on ferme les frontières, on peut perdre des artistes qui sont, je faisais tantôt au CCFN, il y a peut-être des artistes internationaux, justement, on a besoin pour livrer la production culturelle, l'animation, la programmation culturelle, mais si on ne peut pas les rentrer au pays, alors on a une vulnérabilité ici. Les changements environnementaux, changements climatiques, remise en question de majeur du droit d'auteur, des choses comme ça au niveau légal. Technologique, si on pense à la tempête de verglas du Québec dans les années, c'est quoi, 2014, 2004, je me souviens plus. Je l'ai vécu, mais je me souviens plus c'était quelle date. Ou quelque chose aussi, ça paraît absurde, mais les pannes ou pertes d'Internet, on disait tantôt le Wi-Fi, comment c'est important aujourd'hui, mais une perte d'Internet, c'est arrivé en Colombie-Britannique, où une équipe de construction électrique ont sectionné le câble de fibre optique qui alimente le Yukon au complet. Et c'est une vraie histoire. Les gens à Whitehorse me l'ont confirmé. D'une minute à l'autre, ils ont perdu l'Internet, puis ils ont dit, bon, on va attendre voir quand ça va revenir, parce qu'il n'y avait plus de télécommunications du tout. La panne l'été passé de Rogers, qui a frappé beaucoup de gens. On est devenu très, très dépendant de l'Internet et de l'accès à la technologie. Alors voilà. Une longue liste de choses assez désastreuses qui pourraient arriver. On invite les gens à réfléchir en pensant aux partenaires essentiels, activités essentielles et ressources essentielles, de les voir comme des positifs, mais aussi des vulnérabilités pour être dérangées par n'importe quel facteur qui se retrouve dans le modèle PESTEL. Et on invite les gens à remplir leur modèle PESTEL pour mieux se préparer. Marc, oui, il y a 2 semaines, c'était pas de courant, pas d'Internet, pas de cellulaire ou plusieurs moyens. Effectivement, il y a eu une grosse panne et c'était pas une... Il y avait beaucoup de verglas. En fait, c'est une des raisons que j'ai pas pu me rendre à Winnipeg pour une autre présentation à cause du verglas qui se passait à Ottawa et donc les avions ne décollaient pas. Mais voilà, on voit ces choses-là et ça a affecté, ça a dérangé beaucoup de télécommunications. Donc, faut être prêt à répondre à ça. Et si on pense à revenir à l'ampleur, l'ampleur de la crise de la temporalité, on savait que dans ce cas-ci, j'ai Marc ici qui commente, on était en montage, répétition et représentation. Effectivement, dans ce cas-ci, ça peut être, la temporalité peut être très courte. On dit que le problème va durer juste 2 semaines avant que le courant et l'Internet soient rétablis, mais ça peut aussi être fatal pour l'unité de production qui est « on s'en va sur scène ce soir ». Amina, existe-t-il des trousses d'urgence de gestion de crise pour les pannes moyens de communication essentielles au fonctionnement des organismes? Alors, Amina, je suis certain qu'il y en a qui existent, mais j'invite aussi, et ça c'est peut-être avec les organismes de services aux arts, il y aura peut-être des choses déjà préparées, mais je dirais que toute cette présentation-ci et les éléments qui sont inclus peuvent servir pour développer justement des trousses d'urgence, je veux dire, au moins au niveau organisationnel. C'est certain que là, aujourd'hui, on n'a pas préparé une trousse d'urgence avec une caisse d'eau, une caisse des chandelles, etc. Ça relève à l'organisme de le faire. Est-ce que ça serait assez pour permettre quelque chose dans le cas de Marc où on veut produire quelque chose sur scène, ben c'est pas 2-3 chandelles puis 2 bouteilles d'eau qui vont régler. Notre trousse d'urgence doit être plus grande pour qu'on s'en produire. Est-ce qu'on a besoin d'une génératrice pour s'assurer qu'on va pouvoir alimenter en électricité notre salle de concert ou de théâtre? Alors, c'est toutes des choses qu'il faut considérer et on arrive un peu à ça avec la somme faite de toutes les ressources, les éléments de présentation aujourd'hui. Mais encore, je reviens avec les 3 éléments de la crise. Savoir qu'on n'aura pas d'électricité pour 48 heures, c'est fatal pour une présentation qui se passe ce soir même. Mais on ne se mettra pas à aller acheter une génératrice si notre présentation est dans un mois. On dit OK, on devrait être correct, ça devrait être revenu. Et on n'est jamais à l'abri total de problèmes ou d'imprévus. Ne serait-ce que, je veux dire, un incendie. On en voit combien aux nouvelles? On ne peut pas toujours se préparer à tout, mais au moins, si on peut couvrir les choses qu'on sait ont un risque de se produire, ça peut valoir la peine. Voilà, on arrive pas mal à la fin de tout ça. Et pour les organismes qui veulent, je ne suis pas sûr que le CCNC offre ce genre de diagnostic organisationnel-là ou préparation de trousses, mais si vous voulez, le CRHC peut
vous aider de façon, je veux dire, sommaire à identifier des vulnérabilités. Marc, je vois ici, dans les commentaires, on a loué une génératrice pour ne pas devoir repousser nos représentations 2 semaines plus tard dans délai de montage ou de répétition. Effectivement. Alors, on regarde l'ampleur et la profondeur de la crise. Donc, ça affecte une unité, c'est désastreux. La temporalité fait en sorte que ça nous prend une solution immédiate. La solution articulée, selon Marc ici, si je paraphrase un peu, c'est on va louer une génératrice parce qu'on ne veut pas repousser. Avec la génératrice, on réussit à remettre l'électricité qui nous permet de produire, donc l'unité, le département qui doit produire revient en fonction et on a réglé un problème de façon temporaire. Si on avait dit, on ne sait pas combien de temps va durer la crise, potentiellement 6 mois, la solution aurait peut-être pas été de louer une génératrice, mais peut-être donc d'aller acheter une ou deux génératrices. Alors la solution ici correspond au problème en termes d'ampleur, profondeur et temporalité. C'est juste une façon de remettre tout ça ensemble. Donc, c'est ça, je dois malheureusement conclure le tout aujourd'hui. Si on reprend juste les derniers éléments de cette grande présentation-là, les considérations en termes de... Est-ce que oui, je suis encore en partage d'écran? Oui, OK. Considérations en termes de faire différentes choses ou faire des choses différemment. Et l'exemple de Marc ici correspond à tellement d'éléments dans une petite histoire. On a manqué d'électricité, on avait besoin d'électricité immédiatement. On est allé louer une génératrice, ça règle l'ampleur, la profondeur et la temporalité de notre crise pour éviter de repousser la programmation de 2 semaines. Donc, c'est super bon de noter les symptômes de la crise ainsi que les éléments déclencheurs pour que toute solution qu'on développe réponde aux symptômes, pas nécessairement juste aux symptômes, mais réponde à la cause fondamentale. Simplement, abandonner la zone problématique peut être une solution aussi, là, mais bon, on essaie de réfléchir à des solutions plus proactives. À quel endroit va être exercée l'innovation ou l'adaptation? Pour développer des solutions face aux problèmes, il faut vraiment penser à consulter les ressources de l'organisme, les systèmes, les compétences, le personnel, la structure, les ressources clés ou essentielles, y compris tout ce qu'on a vu dans notre profiti, les activités essentielles et les partenaires essentiels. Excusez, il y a 2 acronymes que je dois changer ici, qui peuvent être utilisés pour innover ou adapter. C'est excellent de mettre à jour ces listes-là afin de les garder très consciemment en tête. Il faut réfléchir aussi à quelles ressources peuvent être utilisées afin d'innover ou adapter. Dans ce cas-ci, si je prends l'exemple de Marc, alors on a forcément utilisé une ressource financière à laquelle on avait accès pour louer une génératrice afin de pouvoir continuer à la production. Alors dans ce cas-ci, il y en avait, je veux dire, une solution simple à un problème qui avait quand même une ampleur désastreuse et une profondeur désastreuse à une ampleur assez large. Qui va soutenir l'effort ou va vraiment développer et qui va appuyer le leadership pour cette solution-là qu'on veut articuler ou qu'on veut dans laquelle on veut s'engager? Excusez, je passe très vite parce qu'il faut que je termine avant 3 heures. Et de quelle manière l'effort de résilience va se manifester? Est-ce que ça va être faire des choses différemment ou faire différentes choses? Et est-ce qu'on peut se permettre de s'éloigner de la mission de l'organisme? Et qui va pouvoir valider si jamais on veut s'éloigner de la mission de l'organisme? Alors, encore, vous pouvez obtenir tout ce contenu-là de façon écrite dans un futur très proche et ou très lointain selon vos besoins. Pour conclure, on doit vraiment dire que l'utilisation des cadres de gestion n'était peut-être pas un effort conscient ou une approche consciente sur le champ, mais ces cadres aident vraiment à compartimentaliser les problèmes et chercher de bénéficier de façon structurée de voir l'information et de restreindre des changements à des domaines spécifiques dans un organisme. En conséquence, on propose de continuer leur usage et de rester conscient des facteurs essentiels de notre organisme, des processus, des livrables, des extraits. Et au final, la résilience, c'est très difficile à enseigner comme concept, c'est très difficile à enseigner, mais c'est très bien facilement compris à l'intersection de gestion de crise et d'endurance. La prise de risque est toujours intégrale au parcours et dépend grandement de l'initiative. Donc, c'est pas facile à enseigner et ça doit être démontré. Le succès repose sur le parcours et la destination. Alors, sur ce, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement. Merci pour votre participation en ligne dans la salle Zoom et en ligne sur YouTube.
Le CCNC, CRHSC et les Arts à la Ville et les autres partenaires demeurent disponibles si jamais vous voulez revoir ceci. Et vous pouvez toujours bénéficier de cette présentation-là dans le futur. Contactez-nous. Merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ben, je voulais surfer vite, vite. As-tu record encore? Je pense qu'on va arrêter l'enregistrement bientôt. Kate, Kathleen, do we want to stop the recording? OK. And